Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition Haïti Première Classe. Au menu de cette édition, l'église adventiste Salem a organisé le samedi 27 août écoulé une foire médicale en ses locaux à East Orange, New Jersey. Haïti Première Classe était sur place. D'importantes manifestations seront organisées à New York le 9 octobre prochain pour célébrer le jour haïtien décrété par la ville de New York. Le consulman Mathieu Eugène est donc invité ce matin. Les équipes de football Saint-Marc et Gonaïves se rencontrent ce soir en finale dans le cadre du stadium de East Orange, New Jersey. Optimum Tax Services a organisé le samedi 27 août et couglé son barbecue annuel à l'intention de ses clients. Haïti Workers était sur place. D'importantes manifestations socioculturelles seront organisées demain lundi sur les artères de Eastern Parkway à Brooklyn à l'occasion du Labor Day. Haïti Workers sera sur place. Section Business, nous avons visité pour vous cette semaine le restaurant haïtien Papillon 25 et rencontré pour vous Yannick Stéphane Ranier. Invité du jour, le docteur Yvan Duchesne. Section éducative, le docteur Jean-Édouard Fayette pour des conseils médico-dentaires. Marc Jean-Louis pour des conseils légaux. Et Francis Yvon dans sa rubrique Connaissance, c'est pouvoir. Moins jaloux pour la pluie. Parce que le river code même pas de jambe. Oh oui, moi jaloux pour la pluie. Moi jaloux la moins fort. Pour s'en flotter en bas, je suis bon. J'en le venteur en mi-temps long, la joue. Oh oui, moi jaloux même. All you
Avec vous maintenant, le docteur Jean-Édouard Fayette pour des conseils médico-dentaires. Mesdames, Messieurs, bonjour. Nom, c'est docteur Jean-Édouard Fayette, chirurgien dentiste dans Boucline. Téléphone-moi 718-953-7639. Je vous dis, on a parlé d'un sujet qui est très important, c'est à faire cigarette là, à faire fumer. De 1964-65 à Nessa, nous avons dit que la quantité adulte qui fumait diminuait considérablement, si on prend statistique là, de 47% à 17%. Quantité a diminué considérablement et ça bénéficiait en pile monde qui t'a supposé malade à cause de produits tabac là. Cependant, ça n'a pas empêché que malgré adulte, quantité qui fumait a diminué, mais dans timounio, quantité a s'est augmenté, l'augmenté. Et produit cigarette là, il tuait environ 480 000 monde, presque un demi-million monde chaque année. Ça veut dire que conséquence fumer cigarette là capable de traîner faste. Cigarette yo comme on dit grand moun yo fumer moins mais ti moun yo yo fumer plus. Jeune adulte yo, adolescent yo et yo joine moyen qui plus facile pour yo fumer parce que industrie tabac là ça yo fait au lieu que yo ba ti moun nan cigarette là de visu tant que gros compagnie yo Reynolds America qui fait Camel avec Altria qui fait Marlboro, ça yo fait yo expand cigarette la sous l'autre forme tant kou e-ciga. Tout le monde connaît e-cig, c'est électronique cigarette là que yo fait ti moun yo utiliser pensant que li plus safe ou bien li moins harmless sous tavle pour ti moun yo. Ti moun yo li plus facile pour yo tout, mais cependant ça bagay ça fait e-cigarette là au lieu que ranger ti moun yo li dérange yo parce que li fait addicté tout cigarette là. Naturellement grand moun vin fumer moins mais ti moun vin fumer plus. Et fait cigarette là conséquence li plus néfaste que ne pas la penser. Par exemple, nous connaît que moun ki fumait cigarette là ou bien la fumée li dommager système respiratoire yo, commencer le poumon rive juste dans larynx parce pas traché. Et nous ouais nan dan moun yo nous même quoi dentiste moun ki fumait yo toujours gagnent stain ou bien tache noire qui t'en cause santa le goudron dans dents yo et il fait cleaning non ti jan pi difficile même ça le fait dans dents c'est ça le fait dans organe interne yo so therefore nous conseiller moun qui capable éviter cigarette là au maximum pour yo éviter parce que effet cigarette là pas seulement sur système respiratoire là mais il fait tout sur système cardiovasculaire là moun qui fume gont tendance pour yo faire stroke plus pour yo gagner rhumatoid arthritis plus pour yo gagner cancer plus et ceci dans poumon et dans bouche cancer dans bouche ou pas imaginer ça aussi pas fréquent que le paraît fréquent pas fréquent mais il y a pile monde qui gagne et cigarette là li capable causer ça ou bien li enhance li promouvoir cancer là ou bien cellules cancéreuses dans organes non seulement internes mais surtout dans bouche et surtout dans lèvres dans langue dans palais li causer des gaz ça yo et dans dans gorge ou tout. So therefore conseil nous tabano moun ki pa fumé pas essayer commencer et moun ki t'a fumé
qui commence à fumer, il y a plus de chance pour capable éliminer ce qu'on est dégâts ta fait. Malgré que le gouvernement aide nous en pile dans affaire pas fumer, hein, ou qu'on ait conseillé de côté yo ban pour moun fumer dans place publique, ou qu'on prenne conseillé de côté yo empêcher moun fumer, et ceci pour bien nous, parce que cigarette là, il pas seulement moun qui fume, il fait mal. Il fait moun qui dans entourage là tout fait mal. Souhaiter non caille avec moun qui a fumé tout le temps, c'est comme si ou même ou t'es fumé tout. Right? So therefore, nous conseillons moun pour yo empêcher ti moun yo fumer, parce que à long terme, li pas bénéficiel pour yo du tout. Et à court terme tout, nous ka wè que dégal causé dans bouche nous bien en dedans nous, et even certaines fois, li ba bouche nous ti odeur qui pas tellement agréable, sans dire que moun qui pas fumé yo, li plus facile pour yo pour contrôler bon haleine yo que moun qui fumé yo. C'est ça n'était pour nous aujourd'hui à empêcher cigarette là au maximum. Regardez, si nous faire pour nous faire chelmer, nous gagnons l'autre genre nous café chelbea. Si nous faisons pour éviter problème, nous gagnons l'autre façon nous cajouen pour éviter problème yo. So therefore, please allez dans internet et tapez www.cdc.com et cherchez moyen dans toute façon possible nous pour éviter à faire cigarette là parce que pas bon. Nous pas qu'à dire nous ça pour nous faire parce que c'est grand monde nous y est. But si nous éviter cigarette là, nous croyons que son step en moins ou bien on step en plus nous fait soit fait santé nous ou bien on step en frein nous fait soit fait vie nous parce que là aider vie nous prolonger plus longue sinon pas bah habitude mauvais mœurs pour la fumer cigarette. C'est ça n'était pour nous aujourd'hui à nous remercions mon nom qui t'a écouté nous ou bien qui t'a regardé nous pour attention nous. Nawe dimanche prochain pour un autre segment sous santé orale. Nou. Merci, à la semaine prochaine. Haïti première classe tourné. Toute fanatique qui te connaît pour un programme là, eh bien nous là. C'est dire a toujours gain bon gens interview, a toujours gain bon gens fond, bon bagaille qui gain sens qui concerne les communautaires. Supporter Haïti première classe. From the left hand to the right hand, c'est une organisation que Audi François lui-même l'a dirigé, M. Tabli dans Spring Valley. Et donc, plan monsieur, c'est pour arriver à mettre une polyclinique en Haïti. Donc, nous avons plaisir de recevoir avec nous Audi François. Et Audi, from the left hand to the right hand, depuis que l'organisation a existé? Bon, nous avons presque 7 ans, pas seulement 5 ans, 7 ans en organisation. Nous avons pile belle activité nous fait en Haïti côté que nous aider tout monde nous porter cahier pour eux nous porter crayon plume nous voyer tout monde dans camp nous fait camp d'été en ce mot et kounya là nous vinn réaliser pour façon nous voyer gens paquet tout monde a souffrir derrière pour manque de hygiène bon nous mettez ensemble nous dit bon on achète au terrain pour nous qui gens des café pour nous bâti ou clinique pour okay. Avant de venir à la clinique là qu'on y a là où dit nous aider timon nous bail livre nous porter crayon est-ce que son groupe spécifique de timon ou bien n'a porter crayon là en Haïti bon nous a dit presque nous bail avec n'importe monde n'importe timon tant que nous descend dans quartier tant que le plus souvent la dernière fois par exemple nous porter crayon li bail en Haïti année passée combien crayon nous porter livre on bail plus que 200 timon crayon plume, cahier, règle, qui a l'école. Oui, qui t'a choisi tout le monde? Non, tout le monde, pendant qu'on a baillé dans le quartier, et puis tout le monde a cherché l'autre tout le monde, et puis nous avons baillé. Donc c'est moi qui organise? Nous ne pouvons pas faire l'organiser, nous faisons pour n'importe tout le monde. Nous baillons non mais qui zone nous faisons ça exactement? Nous faisons dans le carrefour, dans un point 32, ouais, 52, carrefour, ouais. Ok. Là, où dit par exemple, 7 ans existé? Et nous bah créons ces activités ça seulement nous fait bon, chaque année pour t'aider bon chaque année c'est ça me plus fait m'aller différents côtés pour moi comment te supporter et actuellement là nous gain 2-3 amis nous gain ou l'autre idée encore côté que nous t'aimer faire bon comment d'où idée gros dans tête chaud mais nous gain idée pour nous développer pays ah bon oui, vous allez pays oui nous oui, gain idée oui mais d'abord côté idée ça t'est sorti pour nous commencer le bail car et créons yo. Bon, l'idée ça a sorti, c'est pendant que je suis à Haïti, moi, deux trois petits monde qui sont dans le quartier, a fait au pas bon. Et puis, je me dis, bon, ma fort façon pour moi, qui j'en ai fait une petite activité pour me porter un petit bail pour petit monde. Et puis, je me dis, deux trois, et puis, le moi, je me dis, deux trois, moi, j'ai plus qui besoin. Bon, de là, je commence à marcher.
mandé monde dans Spring Valley, maintenant l'église à droite à gauche, mandé et comment nous tout jeune monde supporter moi et prend ti ça au ban moi, mettre sur ça me gain, prend avion porter bail. Et qu'on y a on a fait l'hôpital qu'on y a là. Bon qu'on y a là, nous pas voulu faire bail la pitié encore qu'on a nous voulu ouvel, nous voulu faire au belle clinique pour nous supporter. Mais qu'est-ce que fait nous croire qu'on ca faire vivre clinique ça si on parler là. Bon m'gain en pile monde Haïti. Bien que vous connaissez depuis où sorti ici, tu as parlé de Haïti ou de mon Haïti pas sérieux, on a menti. Bon, gain est sérieux derrière tout. Okay. Bon, grand pile monde pas besoin de l'homme non, parce que beaucoup connaît dans qui mesure nous pas arriver pour nous faire travail là. Bon, gain 2-3 amis capitaine moi là parce que nous pas Haïti là en novembre là. Capitaine moi, gain pour mal rencontrer avec magistrat Carrefour et okay. Député Carrefour tout. Pour c'est dans Carrefour n'a pas payer. Oui. Bon, okay. En ce sens on gagne même une idée pour nous faire marcher dans Carrefour. Ah bon? Oui. Pour nous faire l'hôpital en marcher. Non, comme tout travail bon Dieu l'a fait, ou a saisi le fait. Parce que dès pour besoin fort bagaille au sérieux là-dedans. Bon Dieu lui-même prend pas bon, là-dedans. Polyclinique que les dit nous pas le faire, qu'il a commencé. Bon, actuellement là, on va Haïti là en novembre là, nous pas recommander qu'à commencer barrer terrain. Et puis de là étant tout, c'est ça que fait nous te chercher jeune avoto pour nous mettre dans l'air. Pour nous, qui monde qui a une sensibilité, qui remet le pays à toujours, qui nous mettre ensemble avec nous pour nous avancer vers le problème. Donc, j'ai dit Haïti a fait tes un problème. Tes problèmes un problème? Non, parce que tes noms, je n'ai pas normal, pas de menti là-dedans. Oui, mais ok, par exemple, pour commencer à construire, si vous connaissez combien de besoin, est-ce que vous avez servi ou qu'est-ce que vous avez dit? Bon, ou l'autre fois encore, non. Mais nous avons la voie côté de nous, mais nous connaissons, si nous mettons ça dans l'air, nous cherchons le monde. Et qui a même conception avec qui aimait pays qui voulait faire pays avancer vers l'avant et tant de si monde nous connaît qu'a passé misère qui n'a grand goût qui n'a mal soin l'hôpital en clinique là connaît la bon même pour nous même diaspora j'ai ben non si nous aider avec petit non ou maman nous bon qui ont problème la vitilio. OK, now, qui gens va convaincre monde ça va là pour entrer dans logique là pour bon, pas penser convaincre monde, mon monde gain conscience parle pour le que Haïti, j'en a pédé parler de Haïti a fini et pas vrai. Bon Dieu gain mot parle pour Haïti. OK. Haïti n'en route développé. C'est ça que fait qu'on y a là moi même moi chercher moment ça pour kembe Haïti dans mettre clinique ça. Et m'a dit l'autre ami, côté que j'aime vous parler avec vous, pour nous ouvrir et marcher dans le Carrefour. Parce que l'on a des raisons pour nous venir avec l'idée de marcher, l'on marche, l'on passe à Haïti, dans la pile zone. Dans la rue. Ouais, trois personnes dans la rue à Chita. Oui, mais on va parler de marcher. Clinique là avec marcher, qu'est-ce qu'on a fait avant? On a fait clinique là avant. Bon, on a fait la clinique là? Oui. Et vous dites qu'on a commencé avec novembre, on va barrer? Non, en novembre, là, nous allons aller pour nous commencer à barrer. Et qui l'a nous compté mettre première pierre là. Et retourner retourner comme Abdo, il dépend Jean Mounio répondre avec action que moi même moi voulais poser. Moi voulais commencer, moi voulais faire travail là, yo même tout, yo voulais faire suivi ensemble avec moi, yo relim dans téléphone, n'importe monde qui voulait directeur, président travail là, moi pas de problème. Moi pas n'importe monde comme ça. Moi n'importe monde veut. Vous pas faire coup de bas. Non, parce que c'est travail pour pays en affaire. Bah téléphone pour mon numéro. Mon numéro de téléphone c'est 845 553 41 63 63. Faut bailler encore parce qu'on va bégayer. 845-553-4176, sorry. Qui sont dans mon numéro là? Bon, m'le tout fanatique Haïti et comme nous connaît grand pile fanatique Haïti, grand pile jeune garçon comme Haïti. M'se une là-dedans même v'le bailler petit conseil. Conseil v'le bailler là. Haïti gon bonne maman qui a passé misère. L'homme dit maman, jeune fille qui a passé misère dans grand goût. Et c'est eux qui vendent à terre. Nous-mêmes, nous t'arrêmes pour nous, pour compatriotes, par nos dirigeants, ils ont un changement pour faire pour marchandes, ça eux qui vendent à terre. Et puis, bagayo, moun kap manje yo a tout. Et ça fait un pile dans nous-mêmes, nous venons arriver malades. Nous demandons pour dirigeants, ils prennent conscience. Pour dire, bon, machin, ça va pas vendre à terre, ça. Et puis, ça dit, j'en parle, oui, à tout le monde. Pour tout le monde. Moi-même, comme organisation, comme président d'organisation, j'ai une idée, je vais lever
me prend deux trois petits monde en bas c'est fatra à terre que me fait déjà mal l'empile en quartier moi c'est fatra ça pas gagne rien pour faire président ni dirigeant pays à pour faire nous tout qui dit nous c'est haïtien et aussi bon compatriote pour ou côté pas bon qu'à nettoyer pour nettoyer donc évidemment nous venons voilà ici en novembre là en bas Haïti et premier pour qui les premiers et le polyclinique là il supposé qu'a commencé après me sortir Haïti pour me tendre combien de monde qui relève combien de monde qui dit bon yo gain yo voulait aider me supporter moi direct de travail ça me voulait faire pour clinique là et puis on a commencé le travail là donc combien qui pour là pour commencer là bon si c'est pour combien nous qu'a dit tout le monde qui pour aller nous pas contrôler OK merci bien merci bye bye Easical Photo Video Production est spécialisé dans la réalisation de reportages, photos et vidéos pour toute occasion, mariage, baptême, communion et funérailles. Easical 3610 Church Avenue, Brooklyn, New York. Téléphone 347-587-5246. Optimum Tax Services offre des services de taxes pour individus et pour business tout au cours de l'année. Optimum offre electronic filing, fast refund et représentation devant IRS. Optimum vend tout type d'assurance, véhicules, santé, propriété et assurance de vie. Optimum 500 Warren Avenue, Elizabeth, New Jersey, téléphone 908-289-0082. La clinique du docteur Daniel Desrivières offre des services tels consultation des yeux, prescription de lunettes et prévention de maladies affectant la vision. Docteur Desrivières, 32 North District, Orange, New Jersey, téléphone 973-676-8113. Ici Maître Marc Jean-Louis pour des conseils légaux. Bonjour téléspectateurs, bonjour docteur Fayette, hein. Bonjour notre caméraman Monsieur Rosarion, téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour. Avec nous matin, c'est avocat Marc Jean-Louis. Qui, comme à l'habitude, toujours vient partager avec nous quelques idées sur les affaires de la loi. Jodi a nous pral et aborder un sujet qui gagne pour eux avec qui danger qui gagne. Les mouns voyager avec un ordre de déportation nommé et puis petite pièce dans l'autre mer. Dans plusieurs interventions faites sur antenne télévision ça et dans d'autres médias, moi toujours expliqué que li pas fin recommandé. Pour gagner un ordre de déportation. Et puis, vous venez de TPS, et puis pour dire non ou bien TPS, vous venez de voyager avec TPS. La raison que nous avons dit ça, c'est parce que, en pile dans nous, qui avons gardé Choua là, qui vient de TPS, c'est le monde qui, à un certain moment dans la vie, est passé par asile politique. Et dans l'application asile politique, vous mettez là, ou te dit chaque fois que demande asile politique aux États-Unis, c'est parce que tu peux retourner dans le pays que tu es sorti. Pour une raison ou pour une autre, il y a nous, il y a des coins dans l'histoire, et puis il y a des gens qui ont asile, et puis asile politique, c'est que tu viens mener résidence. Mais il y a un pile dans nous, il n'y a pas de coins dans l'histoire, et puis il y a des gens qui débouchent sous rejet de demande asile politique que tu fais, et qui viennent aboutir à un ordre de déportation contre nous. Well, 2010 vient arriver. Un événement très malheureux qui coûtait nous en pile, nous-mêmes haïtiens, qui était fatigué l'esprit nous en pile. Et à la suite de l'événement, le gouvernement pas ici décidé pour nous une sorte de protection. Et protection, ça a venu nous à travers un programme appelé TPS. Et Léo de Baroulia, vous connaissez très bien passé moi, avantage de gagner là-dedans, nous gagnons dans le pays, qui propose, ou gagnons droit au travail, et puis nous avons un corollaire, c'est qu'on gagnons voyager tout. Mais attention! Le fait que vous avez fait un bagage là, ce n'est pas nécessairement fait pour faire. Vous avez une opportunité pour voyager. Si vous n'avez pas un cas extrême d'urgence, vous avez toujours dit, les gens qui ont un dossier dans le cabinet, ne pas recommander nous voyager pendant que nous avons un ordre de déportation contre nous. Et bien, continue nouvelle pour nous. Elle est très mauvaise. Comment vous commencez à concevoir qu'on y a au niveau immigration? Lès que vous avez gagné un ordre de déportation contre vous et pour venir voyager à travers le programme TPS, en pile district, notamment le district de Miami, le district de New York et certainement le district de Newark qui l'a, puis Banon là, vous prenez position que si vous avez gagné un ordre de déportation contre vous, ou voyager avec un TPS et que quand vous avez une demande de résidence ou vous faire, vous avez interprété comme un. Comme une exécution de ordre de déportation, ça a été gagné contre moi. M'a répété encore. District New York, District Miami, District New York,
et peut-être d'autres districts, ça veut dire d'autres bureaux d'immigration qui gagnent à travers les États-Unis, hein, yo interprété un monde qui voyageait sous TPS qui te gagne un ordre de déportation contre lui comme une exécution ordre de déportation ça côté gagne. Ça veut dire on ou exécuter ordre de déportation, ça veut dire que yo estimé que ça juge a te dû faire que pour que j'aime joindre pour te mettre sous pour te forfelia et que l'on vient voyager qu'on y a là c'est déporter ou déporter tête. Ces positions ça a que district ça a commencé à développer. Les pattes là non, c'est récemment m'a commencé ouais, une série de décisions immigration à prendre côté mon ante gagné TPS, il te gagné premièrement un ordre de déportation, il vient gagné TPS, qu'on y a vinn gon base légale pour joindre résidence li et puis l'appliquer pour résidence là et puis les que il présenter ba là et puis il dit comme ça ou te gagné ordre de déportation que juge so and so te émettre contre et que yo pas de cas joindre pour t'arrêter pour te déporter et que par le fait qu'on vienne voyager ou quitter pays là c'est exécuter ou exécuter ordre d'expulsion ça ordre de déportation ça tenir sous contrôle. Donc à partir de ce moment-là, il vient gon danger là-dedans. Attention, faut faire différence entre monde qui t'est passé devant juge qui t'est gon ordre de déportation contre et qui vient voyager sous TPS et monde qui est entré dans pays là qui t'est gagné TPS, c'est vrai et puis yo vienne voyager avec. Monde ça yo pas affecté par information ça me bail là. Moun qui affecté par lui-même, c'est moun qui, comme moi te dit dans début segment, qui te gagne un ordre de déportation contre yo parce que tu as appliqué pour asile politique, yo te rejeté demande d'asile politique yo, yo vinn gagne un ordre d'expulsion et contre expulsion déportation et puis li te là t'a dormi. Et puis kou vinn bay TPS là et puis qu'on y a là ou même ou utiliser TPS pour voyager. Attention. Moi toujours dit nous ça. Immigration pas servi avec crayon qui gagne gomme là-dedans. Information by immigration, li rete là. Ça veut dire si en 2002, 2006, 2008, ou te dit au consacre ou t'applique pour asile politique et pour te dit que c'est parce que t'es pas retourné, parce que t'es fait face à danger, parce que t'es toute qualité problème, et puis qu'on y a la une bonne TPS là, et puis même pays ça ou te dit que ou peut retourner là dernière, parce que si retourner mal arrive au volant, et puis c'est même pays ça, y a une bonne TPS ou ap monter descendre là dedans ou ap tailler banda. Attention, il y a un danger là dedans. Et je voulais avertir nous de conséquences, actions ça qu'on a posé. Encore une fois, avec nous, c'était avocat Marc Jean-Louis, qui, dans ce segment, t'a porté une petite information pour nous. Numéro de téléphone, c'est 212-964-3434. Bye bye, à la prochaine. Haïti première classe, Kembela. 8 octobre, Kabila, APAC, Association professionnelle haïtienne en Connecticut, a organisé. Et 17e édition foire du livre. Li. Et en fait, c'est dans la librairie. Ferguson Library. Ferguson Library dans Connecticut. Dans Stamford, Connecticut. Mm-hmm. Bon, Dr. Berthier, c'est le même qui est président de l'association. Dr. Berthier, est capable de dire exactement foire du livre là, exactement ça lié. Bon, d'abord, et n'a pas salué au Fayette et n'a pas remercié pour l'opportunité de savoir pour nous parler avec les téléspectateurs Haïti Première Classe. Et puisque Haïti Première Classe, c'est un premier. Une station de télévision qui était dans la communauté. En plus, le monde qui a regardé nous là, surtout le monde qui a parlé, qui était perdu de vue l'émission, il est content de regarder l'émission. Donc, c'est un plaisir pour nous pour entrer à la caillou pour venir partager cette information avec vous. Mm-hmm. Donc, la question là, c'est pour que ça ait froid du double festival du double. Je pense que ce bagage qui est important pour la communauté haïtienne pour nous partager ça, nous gagnons dans le pays. Puisque là, nous faisons ce type de programme, ça, nous ne faisons pas faire pour haïtiens seulement. Nous faisons non seulement pour étrangers, mais nous faisons tout pour petit nous faisons ici, qui pas tellement connaît un peu de culture haïtienne. Parce qu'à côté des livres, nous avons l'autre aspect qui gagne dans le programme. Là. Mais son activité beaucoup plus littéraire, son côté pour exposer écrivains haïtiens, que nous avons pile, c'est un pays qui produit un pile d'écrivains et de très grands écrivains. Ok, par exemple, le 8 octobre, là, et combien d'écrivains qu'on a pas exposé? Nous avons plusieurs écrivains qui ont exposé, mais si nous avons pas de liste, nous avons 5 mondes là-dedans. Ok, qui est-ce que? Ben nous liste panéliste pour nous. Bon, nous avons Jean-Dani Joachin, et qui est capsouti de Massachusetts. Nous avons Katia Ulysse, capsouti et dans Maryland. Nous avons Jean-Edith Saint-Paul, qui est dans New York, qui est capable dans New York University. Et nous avons Jacques Adé-Jean-Pierre, qui a sorti directement d'Haïti, qui a travaillé dans l'international. Monsieur, nous connaissons son poète, monsieur son diseur, et monsieur son qui, à travers la poésie, à travers, et ça l'écrit, décrit
et société haïtienne là. Et nous gagnons Serge Valcourt qui bien sûr Connecticut, enfin nous grands petits qui nous qui soutiennent Connecticut, qui soutiennent Connecticut. OK, ceux qui sont basés pour choisir auteur. Eh bien, ce programme qui a fait depuis 17 ans. Mm-hmm. Donc n'a choisi auteur dans tout côté ressorti. Nous choisi auteur nous pour critères puis que ce sont des gens qui fait une carrière aux États-Unis et en Haïti tout ou quelque soit côté hier. Ce sont des nègres qui rivaient et qui nous capable qui fait honneur et littérature haïtienne non qui fait monde connaît yo tout mais yo n'en pas que non plus faire jeunesse non tout surtout jeunesse non faire connaît que image qui approche d'Haïti nous gagne des haïtiens à tous les niveaux peut-être nous faire à travers livre mais c'est pour nous montrer nous faire venir des petits monde qui gagne 12 13 14 15 ans peut-être qui monde connaît intimidé yo là on dans l'école a fait occuper d'Haïti c'est pas qui font mais là on vient garder que nous mener des professeurs d'université nous mener des cap français de bagage extraordinaire cap travail à quelque soit un niveau aux États-Unis viennent participer dans différentes activités ça peut-être l'autre image a changé dans tête au moins un bagage pour y aller dire parce que j'étais pas gros moment qui arrivé groupe haïtien qui était anti gens peur dit que le haïtien donc nous pas appeler ça. Donc c'est ça qui fait que nous à travers littérature nous à travers culture nous et nous projeter nous porter pour yo et en même temps tout communauté étrangère là qui dans zone nous tout n'a fait connaître qui ça haïtien 17 ans et ça veut dire n'a fait activité qui ont évolution activité dans le temps alors soit qui très évolué qui gagnait peut-être ou vinn grand pile l'autre monde qui est intéressé là-dedans ou que des petits monde qui a dit grandi là-dedans que des petits monde depuis que 5 ans par an qu'on a mené qu'il y a qui vinn dirigeant qui vinn dans comité coordination qui a organisé et nous alors nous gagne des grands écoles haïtiennes dans de la littérature haïtienne qui participent dans le programme ça. Si n'a pas eu le docteur France Lecomte, de Héloïse Antica, de madame Tibul qui était directrice de la Bibliothèque nationale, tous ces monde qui passaient en déjà en deux programmes ça et nous qui des auteurs des chanteurs haïtiens tout comme de Steve Village et qui passait dans le programme ça tout alors comme chanteur bien entendu nous qui Emeline Michel qui passait comme chanteur nous qui Mamze de beaucoup mais qui artistes nous gagnent ça à Anessa nous c'est Katia Ellis qui a performé non seulement en tant qu'écrivain en tant que professeur dans l'université de Maryland mais là tout la chanter la performer tout à la fin pour une clôture puisque programme c'est pas programme pour venir chanter c'est pas programme c'est plus littérature c'est plus livre que n'a projeté, mais quand même, nous avons un petit aspect dans la culture haïtienne. Ou qu'il y a un tableau, ou qu'il y a des arts, mais toutes ces bagages qui reflètent le pays d'Haïti. Et qui sont apprendre après 17 ans d'expérience dans l'activité comme ça? Et m'apprendre qu'on est beaucoup plus haïtien, apprendre qu'on est qui ça y a fait, et apprendre qu'on est haïtien de tous côtés. Puisque l'un a dit ça, et pas seulement haïtien qui sorti, nous avons même haïtien qui sorti en Italie qui vient participer, Canada qui vient participer, donc en pile l'autre État, Washington, dur État, et nous faisons école tout en même temps. Nous faisons école puisque, fois du livre, nous en 17e année, quoi pour qu'il y ait d'autres côtés qui font qui dans 4e, qui dans 5e, qui dans 6e année, qui ont pris à partir de nous-mêmes. Ok, now, et par exemple, qui a un public qui a réagi, là, combien on attend dans fois du livre comme ça? Une fois du livre comme ça, nous espérons entre 200 et 300 membres. Nous avons 200, 300 monde, puis je ne sais pas qui fait dans l'après-midi, et on connaît ce qui est Dieu là, on dit j'entends pour Haïti, il était loin de plus. Oui, il était collectif, même on a un border avec New York, Queens, on va penser que c'est plus de monde. On ne peut pas parler de littérature, de livres. Il y a des mondes, c'est pas. Faut dire, peut-être quand on combat, tu es capable, puis tu es intéressé, mais vous lisez dans le livre, appelé, c'est qu'il doit pas sale, mais qu'il doit pas sale, et nous respectons ça. Mais on dit, il n'a pas courage. Pour venir participer dans un programme comme ça, peut-être qu'à apprendre dans l'autre monde, venir connaître l'autre bagage, peut-être ça, à un moment, ça, on encourage. C'est un bagage, nous dit. Une fois, une communauté de monde qui a lu, de lecteurs, on commence à faire partie de nous. On encourage les gens qui sont intéressés avec les livres. Non seulement à l'étranger, puis à l'étranger haïtien, puis à l'étranger haïtien, écrit dans plusieurs langues. Il écrit en anglais, il écrit en créole, il écrit en français, il écrit en espagnol. Donc, il y a pour tout le monde. Et nous sommes capables même de profiter après tout le monde créole, parce que il y a des gens qui écrivent créole. Oui, adresse et téléphone pour les gens qui sont intéressés à aller dans l'activité. Alors, le programme l'a fait le 9 octobre. Le 8 octobre. On va faire changer. C'est 8 octobre 2016, de 1h à 6h de l'après-midi, dans Ferguson Library, qui est dans 34 Woodland Avenue, dans Stamford, Connecticut. Et téléphone pour si mon besoin 203-981-5836. Ce que nous avons dit, nous tout dans 203-981-5527. Donc, nous avons encouragé tout le monde
et dans tout comme dans trois c'est arrivé à cap garder nous là parce qu'on connaît chose ça garder dans New York, garder dans New Jersey, garder dans Connecticut pour nous encourager monde pour venir nous même venir tout venir ouais. Venir ouais ça n'a pas dit hein, c'est n'a pas dit dans la télévision là, mais nous t'arrêmer nous même nous venir ouais pour nous venir applaudir auteur parce qu'on a gagné tant que Jacques des Jean-Pierre cap sortir comme monde connaît comme Boss Badijon qui gont œuvre qui sorti côté que Boss Badijon pendant politique. Je pense que ce bagage pour t'arrêmer venir garder et nous gagne Serge Joalcou qui gont doctorat dans sciences métaphysiques et monsieur gont livre que l'a présenté non seulement ça tout monsieur Gori qui a des poèmes qui est My Bill of Birds que l'a présenté tout nous gagnons et Katia Ellis qui est un storyteller qui a fait présentation pour Timon c'est ça qui a encouragé mon venir avec Timon tout puisque on section à qui le conseil on a commencé le bien à 1h et l'a gratis gratis t'es d'accord merci. Je vais rappeler que chaque dimanche matin de 8h à 10h, Haïti Première Classe sous différentes chaînes pour être capable de servir. On a dit nos chaînes 25, chaîne 14, chaîne 22. Et si il y a des gens qui ne connaissent pas, ou des gens qui ont des difficultés, ils disent checker les chaînes. Dépend de qui a gagné la caillou, ils sont capables de prendre dans New York, dans New Jersey, dans Connecticut. Et on a dit tout que et si toutefois ils vivent en dehors de Tri-State Area, ils vivent à Miami, Saint-Domingue, Haïti, à Paris, en Chine. Vous êtes capable de prendre tout sur www.haiti.com et programme sur YouTube. Et je peux saluer tout le monde qui prend plaisir pour capable de programme ça, spécialement les gens qui sont malades, les gens qui sont à l'hôpital, les gens qui sont dans le nursing home, les Haïtiens qui seulement gagnent en fait programme ça pour capable de prendre distraction pour des nouvelles, pour des images d'Haïti. Je peux dire courage et nous gagnons une pensée spéciale pour vous. N'a pas dit que Safe Haven Home Care Agency là li servi choice et en fait 5 bureaux New York et en fait li là pour capable bay home tête pour surtout grand mon haïtien sous besoin service et la paye d'eau ou fait manger pour pain tête tout bon toute qualité soins qu'on capable besoin et ben li gen home tête qui traiter patient avec compassion respect et dignité. Rele Pascal Randi manager dans 347 268 84 69. N'a pas dit sous besoin fait job CNA sous la besoin changer job là vinn on licence CNA on licence Homelted pas hésiter rele téléphone ça 973 673 3900 sous besoin vinn Homelted CNA rele téléphone ça 973 673 3900 si tout amen gon licence manche longue ton licence 1 an on licence LPN rele même numéro ça 973 673 3900 n'a pas dit que en fait aswea dans en fait stadium historique gain coquin chain final la cap fait en deux équipes Gonaïve avec Saint-Mac. Nous connaît que chaque année équipe ça retrouve jeune un paquet de monde surtout dans zone nous dire c'est comme ça grand pile haïtien qui habite là donc on va aller là pour voir qui est-ce qui va rencontrer coupe ça qui fait chaque année coupe football ça qui équipe qui va gagner comme nous dit encore final là c'est pour entre Gonaïve et Saint-Mac. Gain pharmacie olympique qui est dans Bouguenne en fait qui dans 1665 nous grand avenue pour même qui a besoin en fait joindre au service côté monde balai créole gain Patrice qui attend nous et en fait rele Patrice 718 484 70 70 soit habité dans New Jersey n'a besoin pharmacie pour là c'est Legacy Pharmacy walka docteur Dio voye prescription dans Legacy Pharmacy et en fait pharmacie ça li pick up et li délivrer prescription là la délivrer prescription la caillou et ça qui pire là c'est que li gagnent monde qui parle langue Gerdin cap là pour bonne orientation pour répondre toutes questions qu'on a gagné pour aide pour expliquer qui j'ai pour prendre médicament yo et mes téléphone Legacy Pharmacie qui dans 400 South Broad Street dans Elizabeth New Jersey c'est 908 352 0054 et n'a pas dit que Francis on fait connait que on séminaire que le faire sous littérature workshop pour aide pour capable comprendre économie babo ici il fait ça chaque jeudi soir à 7h30 dans office li qui dans 2174 12 grand avenue dans bouquin téléphone 631-455-86-15. Samedi 24 septembre, cabine là, dans Tamnayak, soit 6h pour arriver 10h du soir, gagne WCFR qui a organisé 5e anniversaire Fond Galali. Et il dit que l'invité tout le monde vini pour un plaisir. Son organisation qui travaille pour faire health education, pour buy CPR training, pour train monde tout, pour capable travailler dans les désastres. Il travaille ni aux États-Unis, ni à l'étranger, spécifiquement en Haïti. Et Nabdou, pourquoi pas participer à faire ça, relais 845-608-74-09.
et ou du moins sont capables tout sur wcfrworldwide.org website. N'a dit Ré Basile qui gagne un livre que lire les hommages à la femme que en fait la paix en fait vulgarisé la fait 20 signatures et malheureusement c'est juste en Georgia. Dans le 23 septembre, la Lawyers of Atlanta Club, hein, qui est dans 1230 Peachtree, North East Street, dans la promenade 11, Building Suite 3850, dans Atlanta, Georgia. Et dans le mardi 27 septembre, la de 6h à 9h, dans l'Alliance Française d'Atlanta, Colony Square, Plaza Level, et c'est dans le level là, dans 1197 Peachtree, Suite North East Atlanta, Georgia, Suite 561 T, téléphone 404-875-1211. Et nous avons fait que nous avons une association professionnelle dans en fait, Connecticut qui fait connaître que nous avons organisé la 17e édition Foire Livre. Et le 10 octobre, nous avons été dans Sanford Library qui est dans Sanford, Connecticut. Et dans l'occasion, nous avons fait promotion livre, nous avons fait promotion culture haïtienne. Et le docteur Berthier dans 203-485-2837 pour information. Et n'a pas dit demain lundi à en fait Eastern Park Festival Carnaval les bordés en pile mon absouti prend précaution demain lundi pour prendre jour mais river la caillou sain et sauf et n'a pas rappelé mon que samedi 5 novembre à Tiwakadio Kembe data dans Calpeo c'est pour toutes amis fans invités staff Haiti Moyen Cas qui pourra réunir ensemble n'a pas pour Haiti Moyen Cas là pour capable recevoir toute qualité information qu'on besoin. Si vous avez besoin de montrer une publication de livre, ou gagner un connu artiste, et en fait, même un business qui a besoin en fait, font paraître ou bien font publicité, check avec Haiti.cas, téléphone 9636-7330 encore, voyez un email de moi dans fayette0101@gmail.com. N'a pas dit que dimanche prochain, et Haiti.cas est seulement là pour 30 minutes parce que dans l'occasion, on septembre, et station pour en fait et bah en direct toute en retransmission ça qui a passé en dedans Manhattan comme nous connaît et septembre 11 sont en fait une date qui est important et dans pays pas ici donc à partir de 8h30 ben station prend l'air pour capable servir retransmettre en direct cérémonie qui va le faire dans Manhattan dans occasion 11 septembre cabine dimanche prochain comme nous ajouter à prendre l'air pour seulement 30 minutes. La clinique du Dr Jean-Edouard Fayette offre des services tels extraction, cleaning, plumbing, root canal. Dr Jean-Edouard Fayette, 456 Kennedy Avenue, Brooklyn, New York. Téléphone 718-953-7639. Francis est un conseiller financier offre assistance sur toute décision financière. Assurance de vie, assurance immobilière, investissement, allocation de biens, plan de retraite, testament, préparation d'argent financier. Francis Héron, 2174 Avenue, Brooklyn, New York. Téléphone 718-434-5125. Extra Supermarket offre une variété de produits alimentaires aux résidents haïtiens vivant à Maplewood et dans les villes avoisinantes. Fruits frais, légumes de toutes sortes et viandes fraîches à la portée de tous les goûts. Un staff courtois vous attend à Extra, situé au 719 R21 Avenue Maplewood, New Jersey. Téléphone 973-378-3775. Bon, définitivement, c'est une grande fois que Salem Church, son église adventiste, a organisé que nous sommes là pour nous capables de parler avec Pastor Abou. Pastor, quand il est ça, sorti pour faire quoi ça? Il est ça, il est sorti. La CAI chef département santé avec collaborateur LIO. Ils ont réuni l'année, ils ont planifié qui sont capables d'atteindre la communauté. Et ils ont trouvé que c'est une foire de santé pour organiser et comme ça, ils sont capables de répondre à la mission de l'Église. Là. Et sa missionnier, c'est servir la communauté côté l'Église. Là, parce qu'en plus, et l'Église aurait été dans le niveau prêcher. Et fidèle pour après la mort. Mais voilà lui-même. Voilà lui-même, les organiser pour aider fidèles là, pour aider chaque monde dans la communauté à vivre une meilleure vie en attendant que la mort vienne après la mort. Il y a la résurrection. Après la résurrection, c'est la venue de Jésus. Hein? Donc, de sorte que nous voulons chaque monde dans la communauté à vu d'une bonne santé, c'est ça, bon Dieu m'a dit, qui t'a créé nous à son image et à sa ressemblance. Le programme, c'est pour nous aider la communauté à prévenir une série de maladies. Mm-hmm. Par exemple, cancer, high blood pressure, diabetes. Mm-hmm.
not only we want to prevent it, and if some people already diagnosed get enfer maladie, non éduquer ou faire éducation comment on capable contrôler. Now you have exactement et spécifiquement. Et est-ce que nous avons plus de monde qui est intéressé, soit dans le blood pressure? Oh, définitivement, nous avons plus de monde qui est intéressé. Nous prenons le blood pressure et puis nous éduquons les gens. Il y a nous demander si le blood pressure est haut, nous demander est-ce qu'il y a pris un médicament, est-ce qu'il prend une règle de basis. Parce que grand pile de monde qui connaît que y a un blood pressure, il y a juste pris un médicament, and that's it. But this is a lifestyle. You have to continue à prendre blood pressure medication pour qu'un blood pressure à 140 over oh, under 140 over 90. Ok, now, et par exemple, moi, j'ai une pile de réponses, j'ai une pile d'incisions que nous avons là. Quelle démarche tu fais pour arriver à tout le monde qui supporte nous? Ok, démarche nous te fait, nous planifions depuis chaque année, depuis le commencement de l'année, le département planifie le programme ça aujourd'hui. So, nous prenons contact avec la communauté, par exemple, le mayor office, fire department, police department, East Orange Health Department. Yes, and we, yeah. We have a lot. We have Rite Aid pharmacy here. Given even prend if by flu shot, pneumococcal shot. Information sur so vaccine, donc qui capable flu shot, qui capable prevent monio les flu season là pour ne pas prendre. Ok, now qui nous évalue réponse communauté à initiative là? Oh, très positif. Nous gain en pile américain qui viennent là, yo content de ce que l'église là dans communauté ça parce que yo dit qu'on nous aide en pile. Yes, you from Besque, are you? Yes, I'm from Besque. And why are you here today? Well, we're here to assist with taking blood pressure and, you know, do whatever we can. How many blood pressure, how many people did you check? Well, right now, I'm not sure how much we checked, but we did a few, we did quite a few. A few? Yes. Anything significant you have to, you notice while you took the blood pressure? Well, not really. We just want to make sure that the blood pressure is on that is normal, and if it's abnormal, we'll just report it and then, you know, let the whoever the patient is, you know, go to see their physician at a later time. Donc étudiant là, vous ça fait un étudiant là-bas là. Oui, parce que pour communauté, presque tout le monde qui a fait elle faire, il a toujours invité étudiants pour venir faire concours, pour faire blood pressure, pour checker cholestérol, checker sucre mon yo. Ce sont un bagay qui très commun dans nous jeseya que depuis on elle fait la fête yo relé nous pour demander nous pour étudiants vinn faire vinn aider so nous même nous faire part of the for the students to help in the community by helping with the blood pressure finger stick and all that. Donc étudiants même yo est-ce que vous parlez pour travailler là yo parlez parce que ça aux étudiants qui dans level 2 qui fini med surgio yo pral dans tout level 3 pour faire OBP and psych. So yo habitué prendre blood pressure déjà, yo apprendre y a dans un sinom nan, yo yo pratiquer dans lab là. So élève ça yo supposé qu'a prendre blood pressure et puis by doing so many blood pressures, so yo vin réellement consacrer les prendre blood pressure, kou ni aller ou pas de problème du tout là au fil l'école là. Non seulement ils sont gain pour ni communauté a que mon nan vin prendre blood pressure a, li bon pour élève là tout parce que depuis moi que yo fait blood pressure a, c'est des mots que fin feel bon comfortable checker blood pressure pratiquer plus ça yo ka pratiquer plus et puis yo ka comprendre tout le monde gain différent blood pressure so yo ka yo gain ti moun gain grand moun qui vini gain ti moun ça dépend de l'âge yo so y a gain by listen to so many blood pressure so y a been habitué avec les tout. Bon matin, nous gain plaisir recevoir avec nous docteur Yvan Duchesne. Et ben monsieur, c'est un chirurgien et monsieur, en fait, capable de recevoir la CADI pour étudier question pour ça le café pour, mais dépend de qui besoin qu'on gagne. Donc, monsieur, c'est un chirurgien. Donc, pour nous capable de comprendre exactement dans quel domaine spécifiquement que le cabot service. Et nous avons plaisir de recevoir avec nous, docteur Duchesne. Docteur Duchesne, et, en tant que chirurgien, qui sa audience ça cap garder là, d'où est qu'on est qu'on gagne la CADI comme service en clinique là? On besoin remercier et tout téléspectateur autour de l'occasion ça pour partager ça me gagne jacoute moi avec nous et vous faites chirurgie générale et puis chirurgie ça nous relan en anglais minimally invasive laparoscopique et chirurgie générale là couvre mon de la tête aux pieds et particulièrement nous au plus simple si mon gon boule qui lever dans tête li pas contre ça lié retirer boule ça pour lui puis voler dans laboratoire pour examiner. Boule là, quand bas aussi simple que en kiss,
et tant que cancer tout. Donc différence là c'est bon. C'est une matière que chirurgien général si vous avez un problème dans glande thyroïde quand des fois thyroïde là c'est un premier bail que médecin interniste checker surtout si on a commencé à souffrir de tension. Quand des fois mon on a des kystes dans glande thyroïde là qui dans cou tout. Et donc ça c'est mettez couteau. Bon, ça dépend. S'il besoin mettez couteau, oui, on mettez couteau. S'il pas besoin mettre couteau, donc laisse ça nous traiter et avec médicaments. Et d'habitude avant on vient dans l'office moi il est toujours passé ouais on interne son généraliste en médecin de famille et puis de là les on a fin consulter généraliste ça s'il a un problème chirurgical laisse ça et y a pour le côté mais qui l'a déterminé comme réellement un problème chirurgical ou même en tant que chirurgien bon pour tout vrai et la plupart du temps c'est généraliste qui détermine que mon a un problème chirurgical. Mais pas qu'il y ait des cas côté le voyer le baron pour dire non, ça va pas besoin de chirurgie, non? Oh oui, oh oui. Il y a des fois, mon enfant a une douleur abdominale et puis plusieurs enquêtes faites, enquêtes radiologiques, sonographiques, et qui vraiment pas aboutir à rien. Donc, laisse ça même, les généralistes la fin fait tout ça capable, laisse ça le voyer le bar chirurgien. Mais la plupart du temps, le mon enfant fait enquête, des fois, il vient pointer à des bails bien spécifiques. Par exemple, mon qui gagne appendicite, mon qui gagne hernie, mon qui gagne cholecystite aiguë, mon qui gagne ulcère. Il y a des fois, bah ça gagne des solutions chirurgicales. Et par exemple, mon qui besoin de circoncision. Et nous connaissons un peu le jeune, surtout ça fait en Haïti. Et circoncision, moi qui fait automatique comme aux États-Unis. Et donc, moi un peu le monde de tout âge et de moins d'un an, des enfants, jusqu'à 87 ans. Est-ce qu'il y a un pile haïtien qui vient dans l'office pour cas de chirurgie? Oui, moi, haïtien pile pour chirurgie, pour hernie, pour hémorroïde, et pour cancer, cancer sein, cancer et des intestins, et en pile plusieurs raisons. Et par exemple, qui vont expliquer ça, type de maladie que nous avons haïtien, est-ce qu'il y a des pratiques que nous avons haïtien, pourquoi? Et qui la cause que les Haïtiens méritent chirurgie dans surtout le domaine qu'on parle. C'est pas que les Haïtiens méritent chirurgie, il y a des conditions qui c'est chirurgie qui est solution. Par exemple, on parle, je n'ai pas commencé dans le bout, et moi, Haïtien en pile pour problème hémorroïde. Hémorroïdes là sont dilatation de veines qui dans anus et qui veut dire pour plus pratique dans derrière mon là, qu'on a à la selle. Qu'on a le water en bon créole et l'ouessant donc on sent vif rouge donc laisse ça même les pas qu'on exactement pour qui raison laisse ça persister à plusieurs reprises donc laisse ça contingent en vienne perturber la carrière docteur généraliste là dit ok m'a voué au cas on l'autre médecin l'autre spécialiste les cas voué le cas premièrement gastro-entérologue ça sont l'autre médecin qui fait endoscopie c'est le plan tube là et puis garder dans tout intestin oh. Parce que des fois, oui, sang qu'on ne cause pas cancer, tout cancer du corps, cancer des intestins. Mais ce n'est pas ça qu'on a parlé de l'hémorroïde. On a parlé de l'hémorroïde là. Et l'hémorroïde là, c'est à cause de diète là, et puis des principes que mon gens ont la caille qui vient faire que les veines sont dilatées. Et le monde a pu aller à la selle. Le fait que les lois de la terre du monde sont dans sa constipation tout et puis diète pas nous et si on mange un pile dur qui pas gain fibre et la plupart de nous pas manger vegetables et vegetables qui gain fibre là-dedans par exemple en Haïti nous devons manger plus fibre ici plus à manger il aurait tiré fibre dans manger donc l'eau aller à la salle qui est dans constipé et puis constipation ça qui est dans cela passer dans canal rectal là lui dur et puis lui vraiment frotter fortement contre paroi rectale là et puis ça vient faire venir dilaté et gagne fois tout gagne mon qui gagne habitude bon et mon c'est la calice seulement pour à la selle même si on travaille la fait toute journée les pas pour à la selle et donc il y a tendance à mettre en tension mettre en pression et puis au fil du temps on ça causer que vient ça dilaté tout et gagne mon tout l'eau water. Surtout, bon, pour être légèrement sexiste, nous allons dire que quand les garçons, le matin, ils sont levés, ils sont très réguliers, mais ils sont allés
à la salle. C'est là ça a réussi à prendre les journaux, je mm-hmm. fais toute lecture, je fais 10-15 minutes sous toilette là. Mm-hmm. Et puis ça, il a fait un peu l'effort. Okay. Donc tout ça encore a fait causer pression dans la paroi rectale, ça a fait venir dilater et qui était en enflé. Et puis, il y a oui, ça a créé hémorroïde. Dans mon expérience, pour ça, où est qui plus gros chirurgie qu'on fait qui retient la tête? Bon, il y a plusieurs chirurgies, particulièrement que, bon, chirurgie générale, considérée comme vraiment de gros chirurgie. On a parlé de ce que les pancréatectomies. Mm-hmm. Pancréas, là, c'est grand, ça qui contrôle les sucres, carrément, avec l'autre fonction. Mais la plupart du temps, il contrôle les digestions. Qui veut dire que l'on mange n'importe manger, ou est-ce qu'on changement qui fait dans manger avec l'aile sorti. D'ailleurs, là, ils sortent l'autre couleur avec l'autre consistance. Donc, le pancréas, ça, c'est. Il y a un gland qui vient faire des produits chimiques qui mélangent avec manger, qui aide à absorber ça qui est bon là-dedans et puis tout ça qui est pas bon, déchets. Mm-hmm. Donc, et des fois, le gland, ça, quand on vient cancéreux, et puis, on est obligé de retirer une partie là-dedans, ce n'est pas tout de même. Et d'habitude, la chirurgie, ça, parce que il y a un pile de complications. Il y a dans la donne. Est-ce que il y a un cas chirurgique qui vient devant vous dire ça trop pour moi, va m'envoyer de l'autre côté? Oh oui. Bon, semaine passée, il y a une dame qui a 340 livres, qui a une hernie. Il était fait une opération auparavant, mais à cause de l'obésité, qui veut dire tripliquité de son mac qui vient prendre devant. Ah, vous regardez dans ça? Regardez, elle me dit. Tout vous parle de l'élément. Donc tout ça pas besoin. Quitter un office privé et il y a des supports que me t'a besoin, me t'a traité comme ça, que me pas bien. Quand ça c'est des. Mais si je vous fais, c'est dans office ou faire ou bien vous faire l'hôpital. Non, me faire l'hôpital. Mais par exemple, et me faire dans l'hôpital Israël, je me faire dans l'hôpital Beth Israël. OK. Il y a des cas que on a besoin support des autres spécialités. OK. Par exemple, on m'a là qui gagne 300 livres, ou 340 livres. Et qui ont hernie qui l'a depuis longtemps. Oui, c'est compliqué. Extrêmement compliqué. Côté que hernie ça a plusieurs phases qu'on a traiter. OK. On, et premièrement, c'est aussi madame ça a perdu du poids. Parce que si pas perdu du poids, chance pour hernie retourner très haute. OK. Plus que 50%. Mm-hmm. Et encore, l'offre opération ça faut être capable d'immobiliser et pour un certain temps. Okay. Et donc et puis l'habitude mon ça tout un problème tension, un problème sucre. Compliqué. Un problème. Extrêmement. Mais est-ce que on gagne quand de l'hôpital côté que c'est où il y aurait les mêmes parce que je dis où qu'on fait casa pour venir traiter. Bon, Beth Israël en cas de obésité, c'est moi qui spécialiste. Avant de faire mes programmes, oui, c'est moi qui fait plus cas de obésité en Beth Israël et en cas d'hernie tout. Semble que moi passer moi gagne plus volume hernie dans Beth Israël dans East Orange et cas laparoscopique. Vraiment, je très. Il dit que je suis très habile. Oui, ou pourquoi j'aime qu'on passe avec moi dans l'opération dans mon. Bon, et. Oui, tu es un jeune garçon à 20 ans qui est mort dans l'opération. Et, il n'est pas mort sous table opération, mais juste après, il est mort dans la salle de récupération. Et. Ma fait chier. Tu n'as pas mis c'est quoi? Non. Il y a des cas que vous faites, c'est juste après faire un dernier effort pour être sauver le monde. Par exemple, jeune garçon qui était dans gang, activité gang, il était pour aider monsieur, il était pour aider dans le pancréas. Wow. Lorsqu'il va dans Mago faire l'effort, ils font au cap, ils veulent contrôler lui, mais le fait que le système a besoin de transfusion de plusieurs litres de sang. Donc, pour sang qui a une caille, sans pas caille. Donc, malgré ça, on veut transfusion de plasma pour aider le caille sans main. Et sans pas jamais caer, donc côté que il était blessé, il pas jamais faire un flow carré pour capable suspendre, donc au fur et à mesure. Et il était suspendu, mais le lendemain. Malheureusement. Oui. Combien de temps il doit faire chirurgie là? Et bon, diplôme en médecine de 95. 95 fois en résidence 90 à 95. Mm-hmm. Et je suis venu à New Jersey et je commençais au bureau avec le docteur Antoine en 96. Et de 95, je travaille dans la salle d'urgence à Vinton. Est-ce que vous avez dit que son chirurgien qui fait succès? Le succès est bien relatif. Oui, je suis un chirurgien. Parce que depuis tout le temps, ça a eu. Et
Bon, certain. Et puis, les gens qui ont mal dans Internet, ils ont parlé de moi, ils ont dit de moi. Et je me considère tellement comme un succès. D'après ça, on dit, pas seulement, c'est moi qui. Legacy Pharmacy, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un SAFRO 3 et professionnel dirigé par Gredine, pharmacienne haïtienne, vous attend au 400 South Boat Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908-352-0050. Chez Dubois Restaurant est désormais le lieu de rendez-vous des amants de la cuisine caribéenne. Un menu diversifié est à la portée de tous, individus, couples, pour lunch ou dîner. Groupe de 50, 100 ou même de 300 personnes dans des occasions de baptême, communion, mariage, funérailles. Chez Dubois, 62 Taylor Street, Sao Tomé-et-Principe, téléphone 973-821-5445. Safe Haven Home Care Agency offre ses services dans les 5 boroughs de New York aux personnes âgées dans le confort de leur domicile. Licencié par l'État de New York, l'agent dirigé par Pascal Randy, infirmière de plus de 15 ans d'expérience, maintient un staff qui traite ses clients avec compassion, respect et dignité. C'est fait 23 47 2 68 84 69. L'éditorial de Haïti Première Classe. Voici le docteur Fayette Théodore. Henri-Christophe bâtit la citadelle La Ferrière, monument historique reconnu comme patrimoine international. Boyer gouverna l'île entière pendant plus d'une vingtaine d'années, page historique que personne ne peut effacer. Deux exemples de leadership exceptionnels dans les annales de la première République noire qui a brisé la chaîne de l'esclavage et porté respect à la race noire. D'aucuns se plaignent que nous restons accrochés au passé. Ils sont manipulés par un certain secteur qui fait passer les Haïtiens pour des incapables et vulgarise Haïti comme le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental. Nous, Haïtiens, ne devrions pas contribuer à cette campagne de dénigrement de notre pays. Il faut bien sûr reconnaître les conditions inacceptables dans lesquelles nous fonctionnons et nous engager dans des débats sur le bien-être de la majorité. Nous avons perdu nos institutions. L'armée d'Haïti, la première reconnue par notre Constitution, n'existe pas. Dans nos luttes fratricides, beaucoup d'entre nous préfèrent la présence d'une force étrangère à notre armée nationale, institution à la base de l'existence de notre nation. Assoiffés de pouvoir, nos leaders ont préféré autoriser l'entrée sur le territoire sacré d'Haïti de bottes étrangères qui ont humilié notre armée, combien imparfaite. Suite à cet acte de haute trahison jusqu'ici impuni, nos dirigeants persistent à signer chaque année pour la présence continue de forces armées étrangères sur la terre de Dessalines. Des avantages économiques dont bénéficient certains réduisent l'importance de l'issue de la présence de forces d'occupation sur le territoire haïtien. La misère noire qui affaiblisse une bonne partie de la population affecte la dignité de l'haïtien qui s'accommode à la présence de l'étranger armé dans le pays. On ne prend pas le temps d'envisager un plan de désarmement de la population, créer des opportunités pour la majorité et prévenir des cas de violence auxquels beaucoup se réfèrent pour justifier la présence des forces d'occupation du pays. On ne prend même pas du temps pour identifier les causes et les isoler. Notre fierté est dormante, notre dignité importe peu, le primum vivere devant être satisfait. Moins affecté par la nécessité de négocier notre âme pour le pouvoir ou des privilèges économiques, les Haïtiens de la diaspora sont mieux armés pour élever la voix contre les leaders co-conspirateurs de l'occupation du pays. D'abord, les Haïtiens vivant à l'étranger devraient penser à supporter l'économie nationale en faisant du tourisme dans le pays, planifier un retour calculé et investir dans le pays. Ils contribueraient au renforcement de l'économie nationale. Haïti, mère de la liberté, a besoin de sa liberté. C'est un devoir pour nous tous de contribuer au retour de la liberté dans le pays. Moun yo mande mwen kote sauvé a Mesaya. Moun yo mande mwen kote sauvé a Mesaya. Mwen di yo nou tout se frères, nous se petit yon seul papa. Kon nou se temple en religion, en se l'amour. John Steve Guinache. Chaque fois m'passe New York et quel que soit côté mien, Haïti première classe, c'est là Malchita pour me parler avec nous
et c'est Haïti première classe que me garder pour me connaître comment communauté a vibré. Haïti première classe, c'est Kaipam et c'est Kaipam. Avec vous maintenant, Francis Héron dans sa rubrique Connaissance, c'est pouvoir. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir encore pour moi avec nous matin dans ce segment ça que nous relais Connaissance et pouvoir. Donc, comme nous connaissons déjà, non moins c'est Franz Cicéron. Donc, moi, dans l'industrie, depuis 25 ans, exactement 15 mois, ça fait 25 ans dans l'industrie. Donc, nous parler en pile de l'assurance. Donc, comme c'est là que moi débuté, mais qu'on est là, il y a un pile bagage encore que nous gagnons avec l'assurance. Donc, c'est ça que fait. Dans le programme, ça que nous relais Connaissance et pouvoir, nous partager avec vous connaissances que nous prenons pendant 25 ans. Oui, moi parler en pile de assurance, assurance de vie surtout. Parce que pendant 25 ans, nous jouons et moun qui mourit à tout âge, moun qui mourit dans l'âge 80, 90, et mais comme ça, tout le monde qui mourit avant 50 ans, qui était jeune avec nous. Nous pas penser que moun qui pas aucun problème. Eh bien, brusquement, il développe une maladie et puis il mourit. Donc, nous avons des gens qui sont morts là, qui fait gain 40 ans. Fait gain 40 ans, qui t'a acheté une assurance à 37 ans. Eh bien, et qui ça? Nous avons fait moins que 3 ans à payer l'assurance là. Donc, nous jouons vraiment les gens qui mourir. Donc, c'est ça qui fait, ou même qui gagne derrière, ou même qui gagne derrière, prends ça en considération. Le, par exemple, nous avons expliqué le programme ça, nous avons fait sûr que tout haïtien pareil, moi, ou bien tout le monde, au moins, nous connaissons, tout le monde qui regarde le programme, non. Pas prendre affaire assurance à la légère. Et surtout, qu'on est là, tant qu'on m'a dit déjà, assurance, pas même j'en étais longtemps. Côté que l'on achète, c'est seulement l'on mourit, famille ou pas le bénéficier. Gagner différents programmes qu'on est là, côté que l'on achète assurance, li ka travaille pour vous. Et famille ou l'on mourit. Mais ka travaille pour vous, pendant qu'on va vivre ou ka utilise. Donc, dimanche dernier, nous t'ai parlé de différents plans collèges qui gagnent. Nous t'ai parlé de Coverdell. Coverdell, c'est un petit programme côté que on moun ka mette $2,000 par année pour tout moun pour commencer ses cours pour collège. Ça c'est bagaille ou commencer bonheur parce que montant le pas élevé assez pour ta vraiment gon bon comme dans figure li pour comment ta grandi en pile en parce que li pas gros. Mais ou gagne aussi 529 ni même ou ka mette jusqu'à $14,000 par année. Dans l'année 2016 là, ou ka mette jusqu'à $14,000 par année pour yon ti moun jusqu'à $70,000 qui 5 ans en seule fois on moun ka mette si ou gagne moyen économique. Donc plan collège ça yo tout c'est tax free plan, c'est plan tax free oui. Ça veut dire ou pas payer taxe sur l'argent que intérêt ou fait sur l'argent, excepté que l'argent ça a supposé utiliser pour Timounio. Si par exemple Timoun ça, il gagne bourse d'études, il gagne full scholarships, il pas besoin ni, eh bien ou obligé d'utiliser comme là pour un autre Timoun, il a un petit neveu, il a un petit nièce, mais faut utiliser le pour un autre Timoun ou pas utiliser le peut-être pas ou à moins que ou prêt pour payer 10% pénalité. Donc, il est extrêmement important pour nous faire ça. Donc, moi te parler tout de Financial Foundation, fondation et financière. OK, importance en qui solide. Leur bill, yon fondation financière qui solide, eh bien, quel que soit ça qui passe dans la vie, ou pas gen problème. As long, OK, ou pas gen problème parce que ou gagne une bonne fondation. Mais fondation ça, t'as comme t'ai dit, pour solide, li supposé chita sous assurance. Assurance comme base, assurance de vie comme base. Deuxièmement, ou gain disability assurance tout qui est extrêmement important pour si ou t'as tombé malade ou pas qu'elle travaille pour un mois, un deux mois ou qu'on est que comme venir. Ou gain aussi long term care qui vient kounye là côté que long term care ou cacheter le pour compte li mais ou cacheter le aussi en dedans yon assurance. Pour que ça, l'ou acheter long term care d'assurance là, avantage li gain c'est que li vienne pas expensive encore parce que c'est ça relé yon rider lié en dedans yon assurance. Kounye là li seulement si ou tombe malade, ou fait un accident, ou fait un stroke, ou pas le travail, compagnie en bas ou 2% là-dedans, total assurance là. Now, l'offre assurance là tout, si ou gen mortgage, eh bien, ou supposé prendre mortgage là en considération. Parce que, autrefois tout, yon te kon vend sa yon le mortgage protection.
leur acheter yon kay, eh bien, agent qu'on a pris le ou, pour offrir un mortgage protection. Mais quand il y a, yon pas vraiment fait l'encore. Mais li aussi important, leur faire assurance nan, si ou gen mortgage, pour prendre mortgage nan, ou fourre li en dedans et assurance nan. Ça veut dire, si ou doué 100 000 dollars, ou doué 200 000 dollars, ou mette li, et ou additionne li, sous quantité assurance ou acheter. Son façon, pour si ou tombe ou mourir, avant mortgage en fin payé, et bien on est que l'agent mortgage ça, li déjà là, la pay off mortgage nan. Son façon pour madame, si le pape fait un pile l'argent peut-être pas lui, eh bien, le connaît, il n'a pas besoin de tracasser. Mario, même genre, il n'a pas besoin de tracasser lui parce que le mortgage là a payoff. Parce que nous avons eu un cas, en 2 ans et demi de cela, il y a un monde qui vient dans le bureau à parler, ici, là, ainsi de suite. Donc, c'est qu'on a fait taxi jaune, le monde ça il vient en notre travail, eh bien, il a développé un mal tête qui n'a pas jamais passé. Eh bien, le monde a le docteur, eh bien, mon rentre à l'hôpital, il pas jamais sorti encore. Eh bien mon ça qui était en madame avec 3 timoun et madame n'a pas fait comme vrai. Donc ou ka imaginer quand c'était texte chargé mon ça a quitté pour madame ça. Eh bien dans programme ça nous fait sûr que le nous bon information hein, c'est pas que obligé venir côté Francis Héron pour venir acheter assurance. Oui, souvenir n'a pas apprécié ça, mais cependant nous besoin fait sûr que tout le monde qui garde le programme ça, il comprend l'importance assurance là, il comprend comment assurance là fonctionne, il utilise information pour être capable acheter assurance, pour être capable commencer à bâtir et fondation économique ça que n'a pas lié. Now, le nous fin avec assurance là, eh bien nous pourrons tomber sous debt management. Debt management est extrêmement important. Crédit card c'est pas un bagage on monde supposé utiliser comme ça. Mais en pile monde utilise crédit card comme si c'est pas un bagage que vous pas gain pour payer pour lui. Et crédit card c'est une qui ruiner monde économiquement parce que yo créé d'une façon telle qu'on ne peut pas me sentir leur payer lui parce que paiement tellement petit. Mais paiement petit et puis le fini moment l'argent il était là. Des fois si ça payer il pas suffit pour le payer et principal là. Donc en gros, pour capable joindre pour capable vivre une vie aisée, leur retired, eh bien c'est éliminer dette. Dette qui pas bonne dette du tout. Crédit card c'est mauvais dette. Dette machine c'est mauvais dette parce que toute bagaille qui pas accumuler intérêt, toute bagaille qui pas bon bénéfice ou bien qui déprécier, c'est mauvais dette. Ou acheter une machine, quelle que soit la valeur machine, quelle que soit combien vous payez pour la machine, eh bien, à partir du moment que vous conduisez la machine à sortir dans le lat là, eh bien, il n'y a pas vos prix encore. Donc, il déprécie, il n'y a pas bon dette. Mais, comme nous vivons dans un pays, côté que tout bagaille est rapide et en pile monde en fait li, c'est parce que vous besoin de faire l'autre monde plaisir, c'est parce que vous besoin de show off, vous fait li, mais c'est pas que vous avez fort de livrer. Donc, nous capable dit dette machine pas bon dette. Si vous avez un business, oui, vous capable lisse en machine, mais lisse machine c'est l'argent vous voyez jeter. Parce que si mon business, OK, moi j'ai un business, c'est vrai, mais moi te lisse machine en fois, eh bien l'homme fin prend expérience ça, moi pas lisse machine encore et moi bail tout monde conseil pour pas lisse machine. Parce que machine là, pita ou pour le remettre li pas pao. Tandis que si vous achetez une machine non fini, eh bien, la machine est capable de faire n'importe 10 ans pour utiliser. Mais là, liste machine non, eh bien, après 3 ans et demi, 3 ans, vous supposez pour aller la machine non, et puis le fini pour aller prendre l'autre. Ce qui veut dire, vous toujours un cycle of debt cycle qui n'est pas fini. Donc, c'est plus gros erreur, on est capable de faire qu'on est là, aller liste machine. Mais nous, les gens qui font ça, qui sentent que vous prenez plaisir à l'année, eh bien, fine. Mais cependant, ça, c'est les gens qui veulent l'argent jeter. Nous avons souhaité que, non, et viewer et IT première classe, eh bien, pas de monde qui a jeté comme encore dans list machine. Ou acheter outright. Si c'est un business ou gagne, à partir du moment que ou gagne 2 machines dans house solo, eh bien, yon machine gen doit utiliser pour business là et ou gagne tax write-off pour lui. Donc, nous pas voulu pour nous faire mauvais conseil. Ok, mais nous avons préféré ou t'as demandé et 41 tout. Ok, pas n'importe monde qui fait taxe non, mais à 41 tout. Ok, est-ce que
li pi bon pour t'avoir acheté une machine sous un business déjà ou bien pour ta gagner pour ta juste louer li parce que même crédit ba ou si c'est li sous liste li a c'est même crédit en tout ba ou si c'est louer ou louer machine. Donc li extrêmement important pour nous connaître que nous venons dans un pays n'ap travail du pour nous serrer l'argent nous pour le travail pour nous. Now, nous gagnons tout, nous travaillons, serrer l'argent qui côté que li pas taxable, côté que li tax free. Donc, nous prenons le camper sous petit parti ça aujourd'hui là. Donc, nous retournons encore dimanche prochain, si Dieu veut, pour nous continuer avec lui parce que lui extrêmement pour nous continuer avec segment ça parce que nous besoin qu'on ait que et l'argent noir que nous serions, nous pas gagner pour nous quitter lui pour le gouvernement avec famille nous mais n'a serré l'argent pour nous si nous vivons longtemps nous ca utiliser le tax free nous quitter le pour famille nous tax free. Donc c'est là que nous devons quitter ou encore pour nous joindre moins c'est dans 631 455 86 15 631 455 86 15 ou bien dans office moins 718 434 51 25 718 434 51 25 adresse office moins c'est dans 21 74 Nostrand Avenue entre Avenue H et Flatbush. Eh bien, n'a pas encore dimanche prochain et bon dimanche et que bon Dieu bénisse nous. Haïti première classe. Kembe là. Bon, on a quatre sorties à faire pour nous montrer au business haïtien et faut y faire pour servir communautaire et surtout pour représenter prestige haïtien dans niveau milieu étranger. Nous passer jodia en fait papillon 25 papillon restaurant qui dans 25 Valley Suite dans South Orange Jersey. Et c'est Yannick, en fait, c'est œuvre Yannick, c'est ça? Bien sûr. Bon. C'est ma passion, c'est ma vie. Et nous remarquons ici, là, où gagne un room côté professionnel, car en fait, allemand, j'ai fait un meeting. Oui, bien sûr, bien sûr. Nous avons un room qui est wine cellar, il y a un meeting, il y a un room pour contrôler. Définitivement, nous avons par exemple notre room côté. Mon Dieu, les discrets, tout pas des. Oh, bien sûr. We call it the VIP lounge. C'est VIP lounge, c'est comme ça, le VIP lounge. Et ensuite, moi, je reçois un cadre qui est extraordinaire. Qui ont développé, en fait, style restaurant, ça, Yannick? C'est que, style restaurant, c'est que, dans. Et, maman m'a toujours fait grand. Maman m'a toujours fait grand réception okay. En Haïti. Mm-hmm. Donc, je suis à son côté pour. Je devais toujours faire un restaurant. Qui t'a venu avec mille nous venir en Haïti pour mon kawé ça il s'est fait c'est belle bagaille. Ça fait depuis combien de temps papillon Gabella? Oh depuis ça fait quelque 13 ans en novembre. Le 3 novembre fait 13 ans. Et 13 ans depuis papillon existe, ça qui une progression papillon. Progression papillon avant t'ai gain papillon, on t'ai gain un petit café. Comme tu connais Yannick Goumé Catering. Mm-hmm. Et c'était plus bas, il était là. Mais après ça, nous avons seulement 5 tables. Et puis de ça, de 5 tables là, nous venons, après de 13 ans, et nous venons ici, là, nous faisons. Nous avons 70, 100 personnes. Mm. Et le soir, une fois, le mercredi soir, nous avons toujours de la musique. Avec ça, nous avons plus de 100 personnes. Et qui vous expliquez ce que c'est restaurant? Parce que je fais toujours un mélange de, disons, j'ai un plat haïtien, j'ai un plat américain, j'ai un plat italien, j'ai un plat français. Donc, quand on un papillon, on fait le tour du monde. Ok. Donc, c'est l'annonce, on dit papillon, la volée. Papillon volé partout dans le monde. Et en fait, qui est le client au plus grand ici? Depuis que je suis venu, c'est moi-même qui ai éduqué pour du Jack Jonjo. Je remets du Jack Jonjo, je remets poisson gros sel. Même si je ne connais pas, je suis haïtien, je m'éduque de plat ici. Pourquoi tu es haïtien? Ça veut dire que qui pourcentage haïtien qui peut rentrer ici? Oh, disons, nous n'avons pas peut-être 20%, 25%, mais le reste, c'est étranger. Et qui vont expliquer ces étrangers au plus qui viennent, haïtiens viennent, moi, si on explique ça? C'est que, des fois,
haïtien yo passé là, yo va connaître ou bay haïtien lié. OK. Yo va connaître ou bay haïtien lié. Même si m'gen bay haïtien là, m'gen bay que m'sorti en Haïti, m'mete là, met des tableaux bay comme ça pour ouais que ça haïtien. Mais si kounya là avant là nous gen la website nous gen toute bagaille. Ou gen nou la website papillon25.com ou pour tout plan nous gagne tout bail comme ça nous ou que nous pas ouais tout plan nous gagne. Est-ce que étranger vous connaissez nos restaurants haïtiens que venir revenir ici? Ah, je connais comme haïtienne et que yo mande pour côté drag jonjon yo remet ça. They call it black rice. Can we have the black rice? Et bail comme ça, yo comme ça. Et qui j'en futur restaurant? Futur restaurant, moi que ma de plus en plus, par exemple, et des fois nous qu'on fait spécial en griot, nous qu'on fait spécial lambi, nous planter l'alo à côté, ne pas le faire spécial l'alo. Et étranger ou même donc. Des fois me mettre un bail pour yo remet l'appel. Je dis oh, yo remet. Et qui joue restaurant? Il y a plus monde qui entre là. Nous avons plus de monde de mercredi à samedi. C'est là que nous avons plus de monde. Nous avons plus de monde. Mm-hmm. Et qui sont pensés qui aiment les gens ici? C'est parce que nous toujours fait bon manger. Si vous faites bon manger, vous avez un bon service, vous avez tout le temps. Et qui sont des haïtiens qui ont gardé le restaurant? C'est pour venir, puis ils ont senti vraiment fiers qu'ils ont un bel restaurant comme ça. C'est haïtien, c'est fierté haïtienne. Et manger haïtien, qui ça vous présente pour étranger? Oh, parce que manger haïtien, il y aurait mais manger, je dis comme ça, oh mon Dieu, il y a pas déjà manger ça avant. Il venait ici, il venait, oh, nous aimons ça, oui, nous aimons ça, parce que il mange tout le temps. Et qui information contact ici pour haïtien qui t'avait fréquenter restaurant? Vous pouvez aller sur le website là, et vous pouvez faire réservation en ligne. La sur le website là, je dis nous avons musique le mercredi, et nous avons jazz le jeudi, et puis nous avons R&B et jazz samedi soir. Pas de walking, vous acceptez walking ici? Oh, bien sûr, nous acceptons walking. Téléphone ici? C'est 973-761-52-99. D'accord, merci Yannick. D'abord, c'est réellement un très chic restaurant. Et nous sommes capables de regarder toute décoration que vous faites pour montrer qu'ils ont place haïtien, place réellement belle. Et nous avons rappelé qu'il y a différents rooms. Il y a un room côté où il y a un meeting, il y a un groupe monde jusqu'à 12. Et il y a un lounge. Et comment vous avez encore pour des discussions? De VIP. VIP d'accord. De VIP lounge. Merci Yannick. Merci. Extra Supermarket offre une variété de produits alimentaires aux résidents haïtiens vivant à Maplewood et dans les villes avoisinantes. Fruits frais, légumes de toutes sortes et viande fraîche à la portée de tous les goûts. Un staff courtois vous attend à Extra, situé au 719 21 Avenue Maplewood, New Jersey. Téléphone 973-378-3775. Francis est un conseiller financier offre assistance sur toute décision financière. Assurance de vie, assurance immobilière, investissement, allocation de biens, plan de retraite, testament, préparation d'argent financier. Francis Zéron, 2174 Central Avenue, Brooklyn, New York, téléphone 718-434-5825. Haïti Premier Classe rive joint nous grâce à support avocat Max L. Jean-Louis. Monsieur Jean-Louis gagne 3 bureaux. Youn Manhattan, youn Orlando, youn Tampa, Haïti, tout près ambassade américaine. Pour assister nous à tout problème légal nous yo. Relais 212-964-3434. Bon, en fait, au petit moment, évitez nous aujourd'hui samedi, hein, donc nous tenons à faire des placements. Hein, côté nous, que, gros événement qu'a fait là, c'est au grand théâtre, nous, gagne pile barbecue, qu'a baille, manger, qu'a baille. Et, en fait, directeur, qui j'ai question, exactement. Bon, nous profitons de saluer tous les téléspectateurs Haïti Première Classe. C'est un bagage annuel que nous faisons pour nous capables réellement de dire merci ensemble avec toute la communauté qui a fait business ensemble avec nous. Ou qu'il y a une pile d'activités là, un raf, que le monde a enjoy ce moment. Ce n'est pas pour la première fois que nous faisons. Et nous faisons pour nous capables de dire la communauté à nous remercier. Mais c'est le seul moyen que nous sommes capables de faire. Nous avons nous-mêmes qui faisons. Moi, j'ai un frère là qui est Tony. Moi, j'ai un docteur Alexis qui est ensemble avec nous. C'est un organisateur. Nous avons un paquet de tout staff, même optimum, sur ce faire photo là. Et nous sommes capables de faire un très bel moment. Bon, en fait, ça fait des mois depuis que ça finit. Bon, ça fait des mois que
taxe la fini que non fait que non période qui approprié. Par exemple, non fait non de back to school. Okay. Par exemple, il y a un pile petit monde qui est après là actuellement là qui a un pile bag qui est capable de prendre, qui a à peu près presque 25 ou 30 petit monde qui est prêt à aller, il y a un paquet de bagages qui capable de besoin que pour aller à l'école. Okay. Les gens fait que nous fait comme ça que c'est parce que nous avons besoin un bail monde. Par exemple, quand nous te dit que il y a un monde nous avons gagné pour notre bail, on fait un tirage pour bail ou être télévision, il y a un iPad plus qu'un paquet. Pourquoi pas résultat par résultat je dis hein. Non, pour pas bail là je dis là. On pas le compte ouais. Donc moi je comprends, en fait c'est friendly photo qui va moi un cadeau pas et donc Tony définitivement assurance qui a marché. Bon, non qu'on doit dire assurance là marché très bien. C'est une raison qui fait n'a fait genre d'activité ça pour nous capable partager message là avec communauté là, pour yo connaître qui sorte des services que n'a profi et à travers des services ça yo pour yo capable faire promotion pour nous yon dit l'autre il y a un peu monde là qui vient là aujourd'hui yo pas connaître genre des services dont on a profi à travers des barbecues yo au courant des gens des services gain qui dit OK a venir visiter nous plus souvent c'est un objectif barbecue à la et c'est mon comprendre importance assurance là. Ah grâce à Dieu je suspecte qu'ils ont très comprendre ça pour le moment. Autrefois les notables bail message là donc gens difficile pour te entrer mais pour le moment il paraît moins facile pour mon leur parler avec yo yo dit pas besoin nous toute énergie ça pour nous comprendre parce que ils sont nécessité pour yo yo obligé prendre assurance pour famille c'est une raison qui fait nos petits gens à essayer partager message là de jour en jour avec communauté pour qu'on entre dans yo à 100% pour qu'on ait assurance là son obligation on ne pas capable vivre dans moment ça pour pas assurance pour protéger famille. Bon, en fait moi crois qu'il y a différents types d'assurance sur Kobay n'a bien sous après ça mais n'a dit mon yo que il y a docteur Alexis tout qui font expérience qui avec nous vont dans ça optimum docteur qui expérience avec et optimum là. Bon, optimum là lui-même son l'autre cause, ça veut dire pour venir dans optimum, c'est tant tout le monde c'est un coup ses frères, c'est sa famille nous. Donc c'est ça optimum là. Donc même client là venir tout c'est un coup c'est la caillouille. C'est ça que je dis encore dans barbecue là comme si pas gagne étranger. Tout le monde c'est la caillouille, pas de différence. Donc mon pas quand revenir là, c'est pas éviter non. On va rentrer optimum nous ouvrir pour tout le monde. Donc pas un problème. Donc et définitivement qui j'ont senti optimum évoluer dans le temps et bon, en principe, nous ne pouvons pas dire que c'est non, même si c'est la communauté qui est capable de dire comment elle évolue. Non, faire de meilleurs de nous-mêmes pour nous capables de faire de meilleurs services. Oui, mais nombre de clients qu'on gagne, j'ai appris ces services-là, j'ai eu pas l'avant. Ça a senti exactement comme aussi là. Bon, au premier abord, je senti que je ne suis pas capable de dire en général, je ne suis pas capable de dire business, ou à bien 100% de monde qui est satisfait. Je ne suis capable de dire en majorité, je senti que mon est satisfait de service. C'est pour raison ça qui fait que nous faisons expansion. Au premier abord, que c'était taxes et bookkeeping que nous avons fait, nous gardons nos besoins communautaires. C'est ça qui fait que nous sommes venus ensemble avec PNC. PNC, là, comme si nous sommes capables de dire, c'est Tony qui est responsable. Le pourquoi que nous jugeons bien qu'il y a une pile de fois que nous avons, par exemple, assurance machine, nous avons ça, nous avons ça, c'est lorsque nous avons un accident, nous avons ça que nous avons. Tony qui fait ça, qui est avec nous, lui explique pour qui ça, ou pas de gagner tel policier, mais pour qui ça, quel babo. Il y a un peu de monde qui gagne, c'est le cas là, prend du fait ou bien un problème passé, on connaît ça qui vient gagner. Et puis nous venons gagner une série de l'autre monde, par exemple, on gagne dans le domaine. Par exemple, nous avons un paquet de monde qui entre dans l'âge retirement. Le plus souvent, passé, lorsque vous êtes malade, vous ne connaissez pas. Par exemple, docteur Alexis, il n'y a pas en détail. Qui ça que nous venons faire dans le département d'assurance là, côté nous, dans le département médicaire, qu'en principe c'est lui-même qui est responsable. Il est capable d'avoir plus de détails et surtout dans le pays qui peut aller venir, la communauté est capable de besoin connaître plus d'informations sur ça. Mais docteur, qui ça a besoin de connaître en fait en termes de surtout dans le retail maintenant, en termes d'assurance pour le faire? Bon, on connaît depuis que nous venons 65 ans, il était ici, il tape travail, ou bien madame, monsieur, il tape travail. Là où il vient dans 65 ans, l'État est au médicaire. Donc là, l'État baromédicaire, il y a un petit cadre qui est A avec B là-dedans. Il permet d'aller à l'hôpital avec un docteur. Mais il ne permet pas de prescription de médicaments. Donc même ça, nous aidons à faire tout le monde ça, nous aidons à faire prescription de médicaments. Ou bien nous aidons à jouer nos plans dans différentes compagnies qui permettent de plus de bénéfices que Medicare bail. Par exemple, le Medicare qui est AB1, il n'y a pas de pour aller à docteur Z ou à docteur Dan. Mais il y a une bonne compagnie qui a extra bénéfice, qui permet de faire un docteur Z. Vous avez dit que nous cherchons information pour nous, pour nous montrer pour qui ça va qualifier, pour qui ça va qualifier. Exactement. Nous aidons les gens, non seulement, il y a des gens qui ont payé
$104 médicaments pour eux. Nous connaissons aider pour médicaments comme ça parce que ils qualifient un comme ils pas en pile. Et nous aider mon tout comme si les pas qu'un docteur pour connaître comment pour aller comme si les prend médicaments tout nous aider par exemple comme si nous travaillons chaque client pour être capable de venir vraiment comprendre ça au gain médical gain mon qui connaît tout quatre là par exemple jamais qu'un docteur on dit pas gain assurance maman parce que il pas connaît information en fait Tony est responsable et PNC c'est ça que Max dit et assurance Sky assurance auto qui différence dans assurance Sky assurance auto que mon nous connaît. Eh bien, chaque différence, pour l'assurance caille, son obligation, on ne peut actuellement pas du bon caille pour pas une assurance. Si un incident passe dans la caille, il faut qu'on ait une assurance qui peut couvrir la caille pour vous. Ça dépend des dommages qui gagnent dans la caille. Non, est-ce qu'il y a différents types d'assurance pour un caille? Oui, exactement. Il y a des gens qui prennent un fire insurance, ça veut dire qu'ils prennent assurance pour 10 faits seulement, mais il y a des gens qui prennent une assurance, qui flood insurance, côté qui a une flood qui passe dans l'environnement, dans le caillou, côté qui a une flood. Là, par exemple, l'époque Sandy, si vous avez un coverage pour ça, et l'assurance est capable de faire ça pour vous, mais si vous n'avez pas de flood insurance. Mais qui sont recommandés en général? Bon, là, on a une assurance, vous êtes obligé de prendre tout le package qui est possible. Vous ne pouvez pas qu'il est mal à présenter. Vous comprenez? Il y a des gens qui ont une musique qui est capable, de faire. Pour le moment, pour le bon faire assurance libre, mais tout autant qu'on a pour un package complet, laisse le plus fou à la minute que bon incident qui arrive, qu'on y a assurance compagnon, il y a un devise pour capable faire payer des dommages. Par exemple, assurance machine. Bon, pour assurance machine lui-même, ça sont l'autre obligation ou qu'on est pas bon ici pour fonctionner ou pas capable déplacer son wagon ou véhicule pour capable aller travail, pour aller l'église, pour faire maquette, ça vous tout besoin de transport. Mais pour un transport ça, vous obligé gon machine, mais l'autre machine non faut pour assurance. Mais des fois l'autre prend assurance là, il y a monde qui pas connaît qui type d'assurance lui prend. Mon sens c'est lui dit le besoin bail qui petit. Il besoin bail pour capable save. Mais des fois, leur prendre, ils ont forcé, ils ont bon papier pour conduire dans la rue. Hein. Mais on pas aucun garantie lors involve nos accidents qu'on y a lors les compagnies d'assurance là pour dire bon même involve nos accidents qu'on y a qui couvrent du gain laisse accompagner dit me sorry pour vous son basic couvrent du gain pas capable couvrir des dommages pour comprendre si fait une collision laisse à mon yo qu'on fâché yo dit comme ça que telle compagnie se vole pas dit la compagnie donc définitivement même les mon yo venir moi make sure m'encourager customer moi expliquer ça c'est un gros bagaille là pour un package qui complet là pour un full coverage mais des fois comprendre mon économiquement pas capable mais moi toujours dis mon nan ça prend li pas en assurance c'est un papier pour conduire dans l'arrière si police kembo pour montrer que si mon pas gagne moyen pour le si mon pas gagne moyen vraiment mais l'autre gagne moyen li plus encourager mais ça qui fait mal le plus souvent gen moun qui gagne moyen pour payer en assurance pour payer en assurance c'est non moun sa yo même c'est qui gagne assurance qui petit. Okay. Raison, nous avons essayé de comprendre cette assurance-là. Nous éviter de faire accident, nous éviter de prendre ticket. Nous avons de l'autre monde, même économiquement, nous n'avons pas d'effort d'assurance-là. C'est nous même qui avons pris un ticket dans l'arrière. Et puis, les premiers, nous venons de la tête nègre. Ça fait mal de regarder. Nous avons gagné un bête de police. Nous avons payé $500-800 pour 6 mois, pour 1 an. Mm-hmm. Et puis, nous avons même qui n'a pas gagné. En tant qu'un papier, nous avons payé $4,000-5,000 pour un basic coverage. Mm-hmm. Des fois, obligé de prendre 4 à 5 ans pour ticket à sortir dans le système. Non. C'est une raison que je me comprends la communauté pour éviter les conduits de l'eau, pas prendre un ticket, pas conduire dans le monde fou, les policiers campés, non, pour y avoir un ticket pour n'importe raison qui n'a pas même fait sens, et puis l'autre ticket, ça a une assurance pour augmenter pour non raison. Mm-hmm. C'est une raison que je me comprends pour que la communauté prenne précaution, l'eau à conduire, si on a sorti là, ou qu'on ne peut pas le faire, sorti 30 minutes avant l'heure, pour ne pas faire excès de vitesse, pour éviter de prendre un ticket. Moi, c'est le conseil, j'aime bien. Ok, now, WD Maxi, pendant toute l'année, optimum bas service. À bas service. Bien peut-être comme moi que Tony tellement gain bagage pour ta des assurances là. Bien peut-être je devrais faire quelques segments pour vous. Définitivement. Pour donc on a venu sur ça. Yeah. Et donc t'as rappelé nous c'est dans barbecue à Nevini. Mais on a venu avec l'autre activité sous question avec Tony pour plus clarifier exactement qu'un café pour aider mon comprendre ça pour faire dans la rue hein, qui j'en pour comporter avec Caillou pour cap gain de baisse leur accident rivière. Yes. D'accord. Là vous merci. Qu'est-ce que d'accord. Good. Mm-hmm. Ok, good, bye bye. Thank you very much for your support. I noté fait qu'on est que nous avons fait un raffo dans le moment ça. Nous avons gagné, nous avons promis, nous avons dit dans le marketing, nous avons fait un flat screen TV, tout iPad.
Now, tout le monde qui était dans le monde, qui était figuré dans la salle, right now, we are about to do the raffle. But we want to, maybe a little child to come to pick up one name, please. A little child. Now, close your eyes. The name, wow, Raymond Celestin. Wow! It's not here. Wow, I am so happy right and there. Proud. Yeah. Raymond Celestin, she's been my client for about 24 years. Wow. And now she's not only a customer, because she's a family member. I'm very, very, very happy. Yeah. Oh, Marie Aldoff. Marie André Aldoff. I know she's also an older client for about 24 years, like a ceremony. I know she's not here right now, but we can say it up for her. This one is Louis Pierre Joseph. This year, this is all clients, because this is a client for over 20 years also. Yeah. All right, guys, let's give it up for the winner. Oh, yeah, he's been a long time. You got it? Optimum Tax Services offre des services de taxes pour individus et pour business tout au cours de l'année. Optimum offre electronic filing, fast refund et représentation devant IRS. Optimum vend tout type d'assurance, véhicules, santé, propriété et assurance de vie. Optimum 500 Warren Avenue, Elizabeth New Jersey, téléphone 908-289-0082. Chez Dubois Restaurant est désormais le lieu de rendez-vous des amants de la cuisine caribéenne. Un menu diversifié est à la portée de tous. Individus, couples, pour lunch ou dîner. Groupe de 50, 100 ou même de 300 personnes dans des occasions de baptême, communion, mariage, funérailles. Chez Dubois, 62 Taylor Street, Sao Tomé-José, téléphone 973-821-5445. Safe Haven Home Care Agency offre ses services dans les 5 boroughs de New York aux personnes âgées dans le confort de leur domicile. Licencié par l'État de New York, l'agent dirigé par Pascal Randy, infirmière de plus de 15 ans d'expérience, maintient un staff qui traite ses clients avec compassion, respect et dignité. C'est fait 23-47-268-84-69. 9 octobre, Kabina, c'est pour aller de Hechande. C'est comme ça que tu décides dans City Council là. City New York là, tu décides de décréter jour ça. Hechande, donc c'est pour l'occasion pour nous fêter pour la première fois jour ça, pour nous capables de connaître exactement ça qu'on fait dans la circonstance nous avec nous matin. Et Dr. Mathieu Eugène, consulman dans New York, qui pourra dire nous exactement qui ça les gagnants en fait la travail en comité et comité a gagné dans Jacques Coutli pour nous pour jour 9 octobre. Concernant Mathieu, et nous connaissons que 9 octobre là c'est la première fois nous allons célébrer Echandea. Qui ça gagne exactement dans le programme? Eh bien, docteur Fayette, d'abord quitté au nom personnellement et au nom de la communauté haïtienne NATO, il est profité de remercier pour l'opportunité ça. Parce que 9 octobre là, son grand jour historique lié, non seulement pour Haïti, mais pour les États-Unis et tout. Parce que 9 octobre là, sont dates qui sont importantes pour tous les pays. Ça. Et bien 9 octobre là, évidemment, nous pourrons célébrer la contribution, nous-mêmes haïtiens, nous avons fait aux États-Unis. Et nous disons contribution, nous-mêmes haïtiens aux États-Unis, et nous sommes qui gagnent en plus de signification. D'abord, je voudrais rappeler rapidement, haïtiens qui vivent ici, nous connaissons que par exemple, ils ont humilié haïtiens dans quel que soit pays dans le monde. Là. Nous songeons par exemple, Saint-Domingue lui-même, c'est misère à faire haïtiens passer. Et dernièrement là, ça a à peu près un an et demi ou bien deux ans, c'est le même qui a déporté haïtien, même si mon nom était fait en 1929. Et mon qui fait en 1929, son grand-mère, son grand-père lié, il n'a pas même qu'on a Haïti à même, il n'a pas même parlé créole. Mais le fait que mon nom d'origine haïtienne, il t'a déporté. Je songe par exemple dans Spring Valley, eh bien, il a employé infirmière, il dit tout infirmière est venu inscrit, excepté si mon nom haïtien. Cela veut dire son grand insulte, ça. Et ça, son bagage qui n'est pas acceptable. Donc, ça montre par exemple, moun, ça, pas contre sa haïtien. Pas contre sa haïtien. Cela veut dire, et comme nous connaissons un proverbe dans le pays, non,
qui dit Kabout garder jamais ta place avant l'entrée. Ok. Si on monte par exemple aux jeunes garçons, jeunes filles, jeunes garçons, ou grand demoiselle, ou grand petit vieux pour là, donc vous connaissez papa, mon son bac, ou pas faire bac, ou pas faire bac. Et bien, son réalité liée. Et alors, ils ont humilié haïtien parce que ils n'ont pas connu valeur haïtien. Il y a des gens qui connaissent ça, qui connaissent, ils n'ont pas voulu ça sortir de là. Et je pense que le 9 octobre, là, ça veut dire artistes, il y a des artistes sur le secteur, surtout dans l'autorité américaine, qui reconnaissent l'importance haïtienne et contribution à États-Unis, c'est ça? Évidemment. Les reconnaître valeur, ça fait une grande différence. Cela veut dire qu'ils vont le traiter différemment. Cela veut dire qu'ils ne vont pas humilier aux mêmes gens. Parce que si nous songeons, par exemple, nous les haïtiens, nous fait comme si le plus grand événement qui était arrivé dans la société humaine, c'est nous qui faisons. Craser l'esclavage. Parce que l'esclavage n'est pas seulement nous, on l'a maltraité, non. C'est qu'il a retiré respect ou bien il a humilié l'être humain. Son attaque à lui, disons, au respect humain. Nous-mêmes, les Haïtiens, nous venons craser l'esclavage, non seulement nous libérer tête, non, mais en même temps, nous venons rétablir le respect humain, la dignité humaine. Et pendant l'autre pays, où même, on a parlé de liberté, solidarité, égalité, il y a tout un esclavage là. Cela veut dire pas de respecter nous vraiment. C'est nous les Haïtiens qui viennent concrétiser eh bien, grand eh bien, principe noble ça, qui dit que tous les hommes sont nés et demeurent égaux. C'est ça que veut dire Haïti, c'est maman liberté. C'est maman liberté. Voilà, mémoire. Nous-mêmes, c'est maman liberté, nous. Et à part de ça, nous pas de garder liberté à vous, non. Nous songeons, nous avons aidé Simon Bolivar, nous avons aidé Miranda. Nous fait aider à libérer l'Amérique du Sud, nous avons mangé tout notre bagage. Et à part de ça, tous ancêtres nous, l'esprit de liberté était tellement dans la tête, yo. Même avant nous prendre la liberté, nous devions en Savannah, Georgia, aider les États-Unis pour la liberté. Et, mais tout exploit ça, yo, n'est pas considéré, non? Et yo, pas, si les gens qui ont éduqué ici, si les Haïtiens qui ont éduqué ici, ils n'ont pas jamais dit ça, non? Ils n'ont tellement pas dit ça, et bien dans l'école, ils ont battu. Simplement parce que haïtien. Il y en a qui ont refusé de dire ça ici. Okay. Cela veut dire que les haïtiens, de toi, la semaine passée, ils ont dit côté dans le palais. Après, ils ont fini par dire qu'ils ont paqueté haïtien avec haïtien qui vient du monde. Ils sont tellement contents de ce bagage-là. Ils sont tellement fiers qu'on n'y a aucun levé. Bon, nous avons dit nous même en tant que communauté de Kishan, vous pensez que nous devons répondre vis-à-vis à une telle initiative, jour 9 octobre, qui est pour nous montrer. Nous disent, ou du moins se montrer que nous sommes fiers de choisir jouer ça. Évidemment, c'est très important enfin, pour nous montrer que nous-mêmes nous sommes fiers de jouer ça, que nous-mêmes nous sommes conséquents de jouer ça, et que nous aimons jouer ça. Et parce que c'est une fois pile bataille pour arriver à voter. C'est pour nous tous haïtiens, nous regrouper, nous travailler ensemble pour nous faire jouer ça, un jour spectaculaire, un jour historique. Parce que son jour reconnaître valeur nous en tant qu'haïtiens. Il a même dit valeur nous, par exemple, si tu as parlé de ancêtres nous qui étaient participé à la bataille de Savannah, nous avons parlé de Jean-Baptiste Coin du Sable, qui aurait été le père de Chicago, nous avons parlé de Pierre Toussaint, qui était balcob pour être bâti de Old Saint Patrick Cathedral dans Manhattan. Nous avons parlé de paquet de bagages. Ça, c'est les ancêtres nous. Mais nous, les Haïtiens, jusqu'à présent, nous avons pris le valeur nous-mêmes qui vivons là pour là. Et qui vient de montrer ça, jour 9 octobre là. Jour 9 octobre là, nous allons gagner une grande célébration. Grande célébration, premièrement, il va y avoir deux parties là-dedans. Son partie historique, côté nous allons montrer contribution en cet nom à l'histoire des États-Unis. Et nous allons montrer tout, contribution nous-mêmes qui vivons aux États-Unis, dans la fabrique des États-Unis. C'est-à-dire dans New York, dans Miami, dans Boston, dans tout partout. Parce que nous avons taxi driver, bus driver, nous avons professeur d'école, docteur, infirmière. Nous, tout ça, c'est nous qui faisons partie du backbone États-Unis. Il faut reconnaître que nous-mêmes, eh bien, c'est partenaire nous, il faut reconnaître. Nous allons montrer ça dans la montrer ça. Et l'autre bagaille qui vient encore, nous avons plus d'haïtiens qui réussit dans le domaine éducationnel, dans le domaine, disons, médical, dans le sport, dans tout le bagaille, nous avons plus de célébrités. Nous allons profiter de ce moment-là, comme si pour nous faire célébrité ça briller. Okay. Pour nous présenter du monde, ça a tout, ça a essayé dans le système. Là, tout. Par exemple, il y a un champion Westland, Bat Konzano, papa, monsieur, dans le comité, hein, que nous faisons pour le octobre là. Monsieur dit, bon, la pêche que petite limite. Et monsieur vient vraiment, et bien, monsieur font ad pour nous, monsieur dit, I'm Haitian, my mother is Haitian, my father is, I'm proud to be Haitian, I'm going to be there, October 9th. Son père qui fait. Là, on a regardé pour un monsieur qui sourit, là, tout qu'on a, son haïtien. Et nous, on a pilote comme si j'étais dignité. Nous, par exemple, avec les gens, on prend son aigle, elle paraît de nos côtés, mettez-le à pour haïtien, ça monte valeur tout le monde. Là, nous regardons, par exemple, Tabou Combo,
y a un orchestre que nous tous, monsieur, nous songez l'époque Tabougon-Bono, qui fait 45 ans à faire musique, non seulement aux États-Unis, parce que dans l'Europe, les Tabougon-Bono arrivés en Belgique ou en France sont proposés. Sont proposés, ça a monté, disons, caractère. Donc tout le monde se parle dans l'aspect culturel là. Évidemment. Ça, c'est quoi le jour 9 octobre là. Jour 9 octobre. Mais avant du Gondola pour qu'on ait là. Évidemment, merci Fayette. Avant 9 octobre là, nous pouvons monter de la proie, et bien dans le côté de Bowling Green, dans Manhattan, dans Lower Manhattan, dans le Financial District là, côté nous parlons vite à pile, nous avons bien des discours, avons des explications, qui ça nous parle, pour qui ça nous a monté de la proie, et nous parlons introduit tout, 9 octobre là, et bien que nous parlons célébrer. Et nous avons invité tout le monde qui est venu. Et 9 octobre là, qui était une profiter là, de qui ça. Là, qui le drapeau a monté? Drapeau a monté samedi à midi. Samedi 8. Samedi 8 à midi, dans Lower Manhattan, côté de Bowling Green. Je crois que Bowling Green, je crois qu'il y a un train station là. Ça c'est samedi, mais dans dimanche, la partie culturelle la fête dans Brooklyn Museum, dans Brooklyn Museum qui est dans Eastern Parkway et Washington. Son bagage extraordinaire. Et s'il vous plaît, habillez-vous. Alors tout le monde habillé conformément parce que son bagage. N'obligez à habiller convenablement. Habiller comme si vous étiez tenue de ville. Tenue de ville, de préférence. Pour montrer. Pour montrer comme signe de radio. Prestige haïtien. Tenue de ville. Et pas gagner une question de jean, ni petit maillot. On va n'a pas d'autres activités, mais s'il a les mêmes, il faut l'obliger. Tout le monde clean. Tout le monde clean. Et ça, qui sont à recommander pour le public là, vis-à-vis l'initiative ça? Qui message vous gagnez? Le message que je gagne, c'est tout haïtien, tout nous mettez la main à la pâte, nous collaborer. Pour nous faire un grand événement, un événement qui est spectaculaire, qui est historique. Pour les gens qui ont regardé, ils ont dit, ah, ici, on a une valeur. Ah, mon cher, si tu comme cela, tu as une raison, voter bagaille ça. Pour nous sauter ensemble, même si l'autre nation a célébré les bagailles qui concernent, ils sont en pile de collaborer. Et si tu as des gens qui t'a voulu eh bien, participer dans le comité, qui t'a voulu et contribuer au coup de part, ils sont bienvenus. Téléphone, non? Téléphone, non, c'est 718. 287-487-62, 718-287-4762. D'accord. Merci, Consilman. Merci, Dr. Fayette. Merci. Haïti première classe, Boki Choy. Et maintenant, toute la nouvelle d'Haïti avec notre équipe sur place à Port-au-Prince. Premier déplacement à l'étranger, nouveau chancelier dominicain venu en Haïti. Hoy, para el primer viaje al extranjero, el canciller dominicano, el nuevo canciller dominicano vino en Haïti. C'est un témoignage de la solidarité qui existait entre deux peuples qui partageaient l'île d'Hispaniola. Es un testimonio de solidaridad que existe entre dos pueblos que comparten la isla española. Même j'entends depuis Cuba, j'étais promet président Danilo Medina que t'a parvel dans le moment que t'a prêté serment pour un second mandat comme président de la République Dominicaine. De la misma forma que había prometido al presidente Danilo Medina en Habana que yo iba a estar presente en sus para cuando estaba presentando cuando estaba tomando posesión del de la presidencia. En la discusión que tuve con el canciller dominicano. Hemos hablado de diferentes temas que interesan a los dos países. Hemos hablado de inversiones. Hemos hablado de relación comercial. Hemos hablado de migración. Y hablamos también de elección. Como me gusta repetirlo, las elecciones es la mejor vía para llevar a Haití en el camino de la democracia. Sin estabilidad no va a haber inversiones. Y sin inversiones no va a haber crecimiento, no va a haber desarrollo y no va a haber riqueza. Durante casi 30 años, el país ha conocido crisis en crisis. Todo eso son las consecuencias de las elecciones que fueron mal organizadas en el país. Y por esa razón, desde el momento que me nombraron como presidente provisional,
démocratique pour que ce soit le meilleur usage. Me comprometo para organizar elecciones honestas, claro, y para que sea el mejor que gana. Hoy tenemos un consejo electoral. Que es reconocido por todo el mundo que está bajo la influencia de nadie dentro del gobierno. A pesar del costo elevado de las elecciones, 55 millones de dólares americanos, el acompañamiento de varios socios que siempre están trabajando con Haití para seguir. Aparte de la dificultad que conoce Haití, nous connaissons ces petits gens qui ont un bon lisage. Pour me saluer le président et madame, je salue le député Hippolyte qui recevra nous là dans les organes. Je salue toute autorité qui est là, en particulier avocat. Cause démocratie à Maître Nol George qui est toujours présent dans toutes circonstances pour le défendre nous. Et nous avons nous tous qui réunis là. Moi connais pour qui ça nous vini. Nous vini. On parle de Fednel, mon chéri. Nous parlons de Noli, mon chéri. Mon chéri. Il est notre chéri. Le candidat Fednel, mon chéri. Alors, moi vine là, soyez. Pour me dire nous. Moi à bord à tout comme dans bon bois. Depuis nous sommes là, ça veut dire moi à bord à tout comme dans bon bois. Bon bois, c'est Jovenel. Nous comme si a-t-il. Créole parler, créole comprendre. Bon bois, c'est Jovenel. Nous comme si a-t-il. Créole parler, créole comprendre. Bon bois, c'est Jovenel. Nous comme si a-t-il. Créole parler, créole comprendre. Nous pas faire propagande pour l'autre monde. C'est un comme d'Adi. Léogan m'a pas même besoin de tourner encore parce que pour endossement, moi rassoir, j'en entendais ça dans l'élection, côté l'autre peuple qui est éclairé, c'est ça que fait nous-mêmes, nous aider mon éclairé, qui chita qui pour travailler ensemble avec nous. Endossement, vous l'avez dit, c'est des gros personnalités qui sont dans la société qui choisissent pour marcher avec ou dans la politique. C'est ça où il est. Grand électeur, grosse série de grands électeurs là, qui fait choix de moi pendant 2 ans et demi pour diriger le pays. Moi senti mon frisson parce que l'homme de Léogane pour l'élection 25 octobre, moi pas de personne qui était pour moi doucement ça. Je dis, j'en toujours dit la radio. Un président, un monde qui voulait venir président au pays, c'est la rencontre d'un homme avec un peuple. C'est un grand monde, moi-même qui campé devant nous là, avec 11 millions haïtiens qui vivent en Haïti, 4 millions qui vivent dans la diaspora, fait 15 millions haïtiens. Son gros responsabilité, son responsabilité ou supposé mon niveau de moralité. Pour pas bailler les gens qui ont menti, leur pral dit ce qu'on pral fait. Faut qu'à 10 bagarres qu'on connaît, on pral fait. C'est pour ça que dans le programme, vision, projet et plan, je ne vais jamais mentir depuis 17 mois. Je dis non, grand bagarre. Je ne vais pas compter toute bagarre. C'est ça que fait assurer à nous la quantité de gens qui ont là. C'est jamais parler avec eux, je ne vais pas compter toute bagarre. Moi dis au pays pas qu'à diriger par un seul grand monde. Au pays pas qu'à diriger dans hing hang, dans rai monde, dans fait tripotage zou monde. Au pays diriger à monde qui gen tête. C'est ça que fait tout monde qui gen tête ça yo, femme ak garçon ça yo. Yo là soir et télévision dans le monde entier a regardé yo parce que dans radio me te dit ça gen 5 jours. Un nouveau président,
une nouvelle équipe. Merci beaucoup, monsieur l'homme. Son fierté pour moi. Pour moi, les gens qui devant moi là, des dizaines de milliers de monde, va la doubler. Les doubler, je dis à moi dans le mois d'août 2016. Moi, j'étais dans l'Éogane dans le mois septembre 2015. Nous devons demander nous, vote nous. Nous, bon vote là. Bon groupe de monde qui décide que vote nous, on va être utile nous. Moun sa yo, génération en génération, pas oublié, mais nous te voté à même moun sa yo, l'un des esclaves, nous te sorti dans le pays l'Afrique, nous te vinicit. Nous fait plus passer 300 ans de travail avec coup de fret sous de nous, mais moun qui te ban nous coup de fret, qui te pi Dieu, c'était nèg noué pareil nous. Jodi a se yo. Qui se traite nous de zombies. Nous sommes esclaves. Nous dégageons, nous faisons guette l'indépendance. Nous battons gros blanc, nous prenons l'indépendance. Nous te traite nous de vanupiers, de soldats sans souliers. Parce que pieds nous trop gros, nous ne pouvons pas mettre de souliers. C'est pieds à terre de faire guerre. Après guette l'indépendance, l'on guerre fin fait, bon bagaille qui les butins de la guerre pour mettre à terre pour séparer. Nous ne pouvons pas joindre. Nous pas de joindre, nous te traite nous de gros orteils. Là où fin traite nous de gros orteils, nous dit nous c'est tête canard, nous allons monter table. Après nous esclaves, nous allons nous pieds, nous gros orteils, nous tête canard. Je dis à nous c'est zombies. Zombies parce que nous choisons un monde qui semble à nous. Zombies parce que nous décidons un monde que nous comprenons ça l'a dit pour diriger nous. Zombies parce que communication aujourd'hui à Vinsalier, tout le monde qui l'a regardé qui quantité téléphone cellulaire ça smartphone cap tendez ça m'a dit pour porter l'aller bien loin peuple haïtien qui t'a gagné hier c'est pas lui même qui gagne aujourd'hui parce que Legacy Pharmacy, pharmacie communautaire qui s'occupe de paiement de billes, transfert d'argent et surtout de vos prescriptions. Pick-up et livraison de prescriptions. Un SAF Group 3 et professionnel dirigé par Gredine, pharmacienne haïtienne, vous attend au 400 South Boat Street, Elizabeth, New Jersey. Téléphone 908-352-0050. La clinique du Dr Jean-Edouard Fayette offre des services tels extraction, cleaning, plumbing, wood canal. Dr Jean-Edouard Fayette, 456 Kennedy Avenue, Brooklyn, New York. Téléphone 718-953-76-39. Ici, Madame, Monsieur, pour enfin cette édition Première Classe. Merci d'avoir été avec nous. Merci de votre fidélité à Haïti Première Classe. Rendez-vous, rappelez-vous, chaque dimanche matin de 8h à 10h sur le NYC Live pour votre émission préférée Haïti Première Classe. Pour vos critiques, suggestions et commentaires, composez le 973-673-3900 encore. Envoyez-nous un courrier à l'adresse fayette0101@gmail.com. Au terme de ce programme, nous tenons à remercier notre équipe technique qui s'est dévouée corps et âme pour la réalisation de ce programme, notamment notre éditeur Nel Sony Pierre-Louis, notre caméraman Joseph Rosario, notre maquilleuse Berlin Collin, notre caméraman Daniel Laguerre sous la direction de Édouard Éloi. À ce soir, 9h-11h sur le 91.5 FM pour votre émission de radio Haïti Première Classe. Bon week-end à tous.